Journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ri Diallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Ibrahima, Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre, c'est Mirador. À la une, finalement, la mère est pleurée, certes âgée, est encore en vie, attendant ainsi le rapatriement du corps de sa fille bien-aimée, Hadja Guénékaba Condé, épouse de l'ancien président Alpha Condé, pendant que la polémique le dispute encore au concert d'hommage posthume, le témoignage de l'ancien premier ministre Kabiné Camara n'est pas passé inaperçu. Dans le texte hommage publié hier lundi dans la presse locale, il relate notamment une confidence que lui a faite la défunte première dame en juin dernier à Paris. Citation, elle m'a aussi fait partager le contenu des messages de son mari qui lui exprimait son regret de n'avoir pas pu lui consacrer toute l'attention qu'elle était en droit de recevoir de lui. Quelque part, elle en a ressenti un certain soulagement, rapporté Kabiné Camara. Feu Hadja Guénékaba a-t-elle bénéficié de toute l'assistance dont elle avait besoin, tant de la part de son mari que de la part de l'État guinéen en tant qu'ancienne première dame? Talibé Barry pose la question, qui d'Alpha Condé ou du CNRD aura le dernier mot à propos de l'itinéraire qu'empruntera la dépouille de l'ex-première dame? Des questions que nous allons nous poser ce matin. Une confusion des questions et des risques de désintégration. En effet, depuis plus de deux semaines, la coordination nationale des Foulbé et Ali Poulard de Guinée est ébranlée par les querelles de succession de feu et l'âge Ousmane Baldé sans loi. À date, les partisans de la désignation de l'âge Alcéni Barry pour assurer la présidence par intérim de la dite coordination se heurtent aux défenseurs du principe de la présidence tournante entre les trois Dioué du Fouta Diallo pendant que cette crise traîne, menaçant l'avenir de cette puissante organisation. C'est l'antenne guinéenne de Tabital Poulakou International qui entre également en transe.
En effet, le bureau international de cette structure s'est publiquement désolidarisé des conditions ayant présidé au choix de Kerno Yaya Diallo pour succéder là aussi à feu et l'âge sans loi, plongeant ainsi Tabital Poulaku Guinée dans un tourbillon menaçant son avenir. Ces deux crises parallèles risquent-elles de déboucher sur l'implosion de la coordination nationale des Foulbé et Ali Poulard de Guinée, tout comme Tabital Poulaku Guinée? Nous donnerons la parole à certains acteurs. Alors qu'on approche la fin du mois saint de Ramadan, fenêtre de répit qui s'est imposée tout naturellement et qui était censée être mise à profit pour amorcer une désescalade politique en Guinée en vue des discussions avec les coalitions politiques et fêtières de la société civile qui boycottent jusqu'ici le cadre des dialogues interguinéens, la médiation menée par les chefs religieux du pays semble ronronner. Elle lâche opérer sur les préalables posés par les forces vives de Guinée, des préalables auxquels le CNRD et le gouvernement de transition tardent à donner une suite favorable, une situation qui a le don de commencer à agacer dans les rangs des forces vives de Guinée, au sein desquelles des voix s'élèvent et se font menaçantes. C'est le cas de l'ex-parti au pouvoir, le RPJ Cancel, qui soupçonne le pouvoir militaire de n'avoir aucune volonté de lâcher du lest sur les dix préalables. À l'allure des choses, un retrait des forces vives de Guinée de la médiation portée par les prélats est-il envisagé vers le retour des manifestations de rue après la période du mois de après la période du Ramadan? Mirador pose le débat. Il n'y a pas de délestage à Conakry, a assuré hier lundi le directeur général DDG qui était plutôt face à la presse. Pour lui, l'heure est plutôt à comment maîtriser les pertes enregistrées sur le réseau de distribution à cause de la vétusté des installations, le niveau de production d'électricité ou du moins de la capacité de production du courant électrique étant suffisant pour desservir correctement la capitale guinéenne. Ceci grâce à l'énergie produite par les barrages hydroélectriques de Kalita et Swapiti, au point que DG s'est payé le luxe de rompre récemment le contrat de Karpowership, bateau central électrique turc. C'est tout à fait l'exact contraire pour la deuxième ville du pays, Kankan, qui devra continuer de broyer du noir, du moins jusqu'à son interconnexion, avec le réseau électrique du Mali voisin. La seule solution viable sous la table, selon Laïsekou Camara, directeur général DDG, à suivre le décryptage de nos chroniqueurs. Encore une fois, merci de nous choisir et bienvenue. Merci d'être à bord. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordiers. Perché sur notre mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordiers. Excusez-moi, le gars, c'est pas grave. Oh, désolé, c'était les interdits. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna, vous l'avez dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau, ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour... Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se... Encore une fois, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission et à l'ensemble de nos programmes. Vous êtes sur 95.3 modulation de fréquence, mais aussi très très nombreux sur nos canaux digitaux www.filmguinée.com, la chaîne YouTube de Film 24 ou encore la page Facebook de Film Guinée. Merci de votre fidélité. Vous êtes aussi en région, vous êtes sur 95.0 à Mamou sur Fraternité, 107 à Kindia sur Kanyazi, et en région forestière et dans la savane, tout comme dans le 140, vous êtes sur le réseau synchronisé de Dabo Média,
Merci encore une fois d'être au rendez-vous de la Guinée. Mamadou Tian, Baldé, bonjour, bienvenue. Bonjour à Bakar et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue. Bonjour Ibrahima Sourli, Consumagba Sikolo. Bonjour Bakar, bonjour à la Bessani, bonjour à tout le pays, bonjour à Kissidougou et à bien. La grande famille d'Ari. Mais merci bien. Bonjour l'enfant de Koumi, bienvenue. Bonjour le juste, bonjour à tous. Ouais, c'est le choc vestimentaire hein, qui continue. Bassekou, monsieur le DDR, bonjour, bienvenue. Bonjour à Bakar, bonjour à tous. Les dispositions qui ont été annoncées par le ministère des Transports qui dit qu'il faut, je crois bien, il faut arrêter de prendre deux personnes à côté du conducteur des Bomola ne sont pas respectées du alors tout pas dans du la, tout, dans la circulation. Ouais. C'est une véritable difficulté. À cela s'ajoute tout ce qu'on connaît comme difficulté aujourd'hui lié non mais les conducteurs de Bomola, ils s'en moquent éperdument. Ouais. Les policiers ne comme font pas leur, suffisamment comme de leur première chemise. Voilà. Et pendant ce temps, ces bonbons-là continuent de faire des dégâts dans la circulation. Voilà. Moi, je vois, parce qu'ils sont sur notre axe. Ouais, absolument. Là, ils sont founiens. Ouais. Voilà, ils nous envahissent ils sont gênants. Circulation. Ils sont très gênants dans la circulation. C'est insupportable. Ils sont mais gênants. Mais les gars, ils en font à leur tête. Ouais, comme ils sont gênants. Comme bon leur ils sont gênants. C'est la jungle totale. Ouais. Il faut mieux que l'État. Hein. Bien. Bonjour Yaya. Bonjour Aboubakar. Monsieur le diplomate, bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous les auditeurs de films de l'intérieur et de la diaspora. Bienvenue. Merci. Mamadou Ouri, bonjour, bienvenue. Bonjour l'influenceur, mais bonjour traditionnel à Nyonso Moridou, c'est à Beyla, on y attend le Simandou. Bien. Bonjour à Koui, c'est à Tougué. Bien. Bonjour. Allez. Bonjour à Komodou. Merci bonjour bien. À Kwanka. Merci. Aboubakar, j'ai l'impression que la 4G de Orange se limite désormais à Lambani. Il y a un problème. Eh ben. Ce réseau, il bug. Donc ça n'arrive pas à son fournir. Il bug et il bug. Et j'ai remarqué par deux fois de suite, une fois que je suis à Lambani, hop, la 4G s'arrête. Ben. Et je suis sur la 3G. Bien. Une fois que je suis à la maison. Mais la ville s'arrête à Lambani. Une fois que je suis à la maison, c'est compliqué pour moi de naviguer. Et encore plus, c'est que c'est les appels aussi qui ont des problèmes. Quand vous avez un appel, ça s'entrecoupe, il y a des petits soucis. Donc, il y a un lieu que Orange communique. Bien. On a besoin de savoir. On met des sous dans leur service s'ils sont saturés par le nombre d'abonnés. Mais alors là, il faut affecter les gens ailleurs. S'ils n'ont pas d'équipement suffisant pour les millions d'abonnés, il y a un sérieux problème à voir. Oui, sûr. Et je pense qu'il y a lieu quand même qu'on réfléchisse à cela. Moi, j'ai payé souvent 180 000. Pour la connexion. 185 000. 185 000. Si vous mettez vos 15 ou combien, $18 dans la connexion et que ça ne marche pas, il y a un problème. Parce qu'ils nous prennent nos sous et ils ouais. gagnent de l'argent. Bien. Nous, on n'a pas la qualité de connexion. Ouais. Et en attendant, peut-être Guinée Télécom. Oui, mais une société voilà. comme Mouna Internet aussi, pourquoi ne pas leur donner par exemple oui, une licence en téléphonie. Oui, bien sûr. Ça peut Mouna, bien marcher avec eux. Mouna, c'est le fleuron de l'industrie téléphonique guinéenne en ce moment. Voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ben, voilà. Voilà, en attendant, voilà, la fameuse Guinée Télécom. On va voir ce que ça va donner. Pour commencer, il y a eu ces infox hier, Bassekou, c'est totalement faux et absurde. La mère de la défunte ex-première dame, Adja Djenekaba, n'est pas décédée du côté de Kanka. Oui, absolument. Il y a des Guinéens qui ont le don de donner de fausses informations. Hier, on a tous été informés au même moment voilà, que la mère de l'ex-première dame est décédée des suites de courte maladie dans la soirée. Suite de crise, voilà. Ce qui était absolument, totalement oui, faux. Donc, l'information nous a été remontée, mais rapidement, on a pris le temps de s'informer, ouais, de recouper cette information en appelant des personnes très proches de la famille du côté de Kanka. Et une vidéo même a été réalisée, donc qui nous a été envoyée. Bien sûr. Là où cette vieille de 72 ans, c'est ce qu'on apprend, est assise à côté, donc entourée de deux garçons, où elle s'exprime voilà, pour dire qu'elle se porte bien. Ouais. Je pense qu'il faut éviter de dissier de telles informations sur les réseaux sociaux, parce que aussi sur les réseaux sociaux, cette information avait été distribuée. Beaucoup de personnes avaient mentionné que on avait presque tous cru. Dame. Oui, on avait tous cru, même dans nos plateformes, l'information avait circulé. Mais heureusement, on a pris le temps de rattraper cette information. Bon, c'est ça aussi le journalisme. Mais de l'autre côté,
ce qu'il faut éviter, Aboubacar Diallo, ouais. C'est dommage. C'est dommage. Ce sont ces personnes de mauvaise intention. Ceux qui s'adonnent à un tel, oui, une telle pratique. Oui, un tel c'est très pratique, grave, Bassekou. Parce que déjà, c'est une famille qui est durement éprouvée par la mort de l'ex-première dame. Il y a encore des discussions pour que voilà, son corps transite soit par Conakry ou par Bamako. Ouais. Donc, c'est une famille qui est vraiment éprouvée et qu'on vienne annoncer de telles informations, surtout qui ne sont pas vérifiées. Je pense que c'est très dangereux et les journalistes ont fait leur travail hier en essayant de vérifier rapidement cette information avant de la diffuser. Ouais. Mais qui a intérêt quand même à distiller de telles informations? C'est vraiment curieux et irresponsable. Ouais. Je pense qu'en pareille circonstance, il faudrait quand même avoir de la retenue lorsque une famille perd une personne aussi valeureuse comme cette ancienne première dame. Je pense que le minimum, c'est de leur apporter compassion, mais c'est de ne pas encore continuer, en tout cas, à annoncer des mauvaises nouvelles par-ci, par-là. Je crois qu'il faut être suffisamment responsable. Et c'est inhumain, je ne peux pas comprendre cela. Mais je crois que, tant mieux, nous, on a pu quand même vérifier, recouper l'information. Finalement, après, on a donc dû comprendre que la dame a traversé... Elle est bel et bien en vie. Et qu'elle est bel et bien en vie. Ouais. Donc, et qu'elle attend, elle attend dans la douleur et dans la dignité, absolument, le corps, la dépouille de sa bien-aimée fille. Oui, de sa bien-aimée. Donc on attend. Heureusement que la vidéo est là. Maintenant, je pense que ça va couper court à toutes les rumeurs, à toutes les folles rumeurs. Mamadou Ouri, on a tous suivi ça hier très tard, aux alentours de 23h. C'est très cynique, hein. Assez cynique parce que moi, j'étais complètement perdu. Je me dis, bon, voilà encore une double perte pour la famille. La fille qui meurt. On a vu le choc de sa maman parce que j'ai vu son témoignage. Et j'ai comme l'impression qu'elle a donné tout le reste de bénédiction, si vous voulez, qu'elle avait en elle pour sa fille. Parce qu'on l'a vu, elle a dit que si je suis véritablement sa maman, eh ben, Dieu lui accordera assurément le paradis. Le paradis. Parce que je pense qu'elle l'aimait assez bien. Je pense aussi qu'elles étaient très proches. Et peut-être qu'elle ne supporte pas du tout ce décès-là. Elle subit le choc. Donc on y avait presque cru en disant qu'elle n'a pas pu le supporter. Parce que par le passé, on a vu dans des familles des gens qui tiennent à leur mari. Souvent ça se passe comme ça, ou une maman qui tient à sa fille. Mais il se trouve que c'était tout simplement des infox, des intox, des mauvaises informations. Heureusement, on peut dire Dieu merci, la vieille elle est en vie. Et que Dieu lui donne encore beaucoup plus d'années à vivre. Oui, Maman Rigan. Je dirais qu'il y a Serge Julie, l'ancien patron de Libé, qui a dit dans un opuscule où on retrouve Jean-François Kahn et Edouard Plenel, que avec les réseaux sociaux, la rumeur et l'information ont la même valeur et que les journalistes doivent faire très attention parce que les réseaux sociaux, l'internet dévalorise le journalisme. Parce que là, hier on était là tous, on avait cette info et les sites internet et nous autres, on pensait que c'était vrai. Mais le journaliste doit faire un sur-effort, aller vers la source pour vérifier, savoir vraiment que c'est du faux. Donc on est assez C'est ce qu'on a même essayé de faire à un moment donné en nous rabattant sur des journalistes sur place à Cancan qui ont confirmé l'information. Parce que le coup était sans être allé dans la famille. Voilà ce qui s'est passé en fait. C'est très grave. Voilà. Donc apparemment la rumeur s'était emparée de toute la ville de Cancan. Et tout le monde y avait cru. C'est très grave ce qui s'est passé. Qui a intérêt, qui avait intérêt quand même à dissier de telles informations pendant que la famille est plongée dans un deuil profond. Et voilà. Talibé, tu veux placer un mot? Pour finir, n'oubliez pas aussi que nous sommes dans un environnement où c'est l'ancien parti au pouvoir qui a le dessus, donc les rumeurs et autres. L'ancien parti au pouvoir n'est pas une fabrique de rumeurs quand même. Ils sont champions. Mais non, je sais de quoi je parle. Tu peux pas dire ne dira pas le contraire. Mais non, c'est pas une fabrique de rumeurs. Non mais Talibi, pour clore. On va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. Et cette information, moi personnellement, m'a tétanisé. Parce que j'imagine un peu les conséquences que cela aurait engendré, notamment au niveau national, le choc que chaque Guinéen vivrait, mais aussi le choc que cela constituerait pour Cancan.
parce que déjà Cancan est dans un tribun électrico-politique avec des manifestations contre les délestages sur fond un peu d'accusations de manipulation politique. Et ensuite, cette mort de cette grande dame qui survient, une polémique suscitée à la fois par le CNRD et son mari. Oui, on en parle dans un instant. Et tout cela aurait davantage justement incriminé l'attitude des deux partis, ouais. C'est-à-dire le CNRD et le camp du président. Le camp du RPG Arc-en-Ciel. Alpha Condé, ouais. Et du RPG Arc-en-Ciel, parce que au-delà de la perte de sa fille, elle devait subir justement affreusement la polémique qui a suivi ce décès. Donc heureusement que ce n'est pas le cas, que Dieu donne longue vie, plus longues années à cette maman, ouais. Éplorée, et que l'on arrête vraiment d'inventer des choses. C'est à la limite cynique et inhumain. Bien, ce n'est pas acceptable. Lincoln, pour en clore. C'est déplorable, hein, c'est cynique ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel intérêt avaient ceux-là qui ont fabriqué une telle rumeur. Mais heureusement que tout est vérifié. Aujourd'hui, on n'est pas allé là où on devrait partir suite à cette mauvaise information. Nous souhaitons très longue vie à cette dame qui est éprouvée par ce grand décès. Bien dit. Nos condoléances, encore une fois, nos condoléances renouvelées à la famille Kaba de Cancan, au grand frère, voilà, Cheikh Fantamadi, du côté du Canada, à Jassara Kaba, voilà, la jeune sœur, et voilà, plus globalement, à toute la famille Kaba de Cancan. Dans un monde de... Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, on en vient à ce bout de phrase, voilà, qui est à l'origine de. Voilà, qui continue d'alimenter la polémique au sujet de Adja Diene Kaba Condé, donc ex-première dame, décédée samedi dans un hôpital américain de Paris. Quand je l'ai rencontrée durant mon passage à Paris en juin dernier, elle m'a expliqué avec dignité l'évolution de sa maladie et du traitement qu'elle suivait. Elle m'a aussi fait partager le contenu des messages de son mari, qui lui exprimait son regret de n'avoir pas pu lui consacrer toute l'attention qu'elle était en droit de recevoir de lui. Quelque part, elle en a ressenti un certain soulagement, Talibé. Voilà, et une bout de phrase, Mamadou Houry, tirée d'une tribune hommage que l'ancien Premier ministre, le cabinet Coumara, a consacré à Adja Diene Kaba Condé. Même bout de phrase, un paragraphe qui ravive, qui rallume les feux de la polémique. Bon, oui, qui ravive le feu de la polémique, en même temps qui confirme ce qui était de notoriété publique au temps d'Alpha Condé. Ouais. Ce qui était de notoriété publique, c'est que la première dame vivait à la cité ministérielle, le président vivait au palais Sepia. Ça, c'est l'une des rares situations, en tout cas sous nos tropiques, où on peut voir le président et la première dame séparés de cette façon. Et tout le monde remarquait dans l'opinion que très rarement Alpha Condé s'affichait avec la première dame, sauf pour des voyages à l'international où il était obligatoire, où il était aussi obligatoire que le président soit accompagné de la première dame. C'est des choses qui se disaient dans les salons, dans les cafés. Ouais. Alpha qui se constataient. Bien donc entendu. C'était naturel. Ouais. Et puis, vous savez, à un moment donné, moi, j'ai lancé un concept ici, Bring Back our First Lady. Effectivement. Nous revenir notre première dame, parce qu'à un moment donné, elle avait disparu tout simplement. Tous les radars, elle n'était pas en Guinée. Alpha Condé partait seule à certains rendez-vous où nécessairement même elle devait y être. Et c'est depuis là qu'on avait commencé à parler de sa maladie. Et je pense que c'est un peu ce que Alpha, dans cette révélation de cabinet Coumara, ouais. L'ancien Premier ministre, confirme. Donc, après sa chute, il fait son mea culpa. Il y a ce moment de remords. Et donc, il avoue ça à la Première Dame, comme quoi je n'ai pas été assez attentif vis-à-vis de toi. Je pense que ça confirme cette réalité que chacun dans ce pays constatait. Parce que le simple fait déjà que le président ne soit pas avec la première dame, ouais. À la présidence, ça pose des problèmes en fait. Ouais, ouais. Et combien de fois il y allait, on ne sait jamais. Ouais. Et vous vous rappellerez hier quand je parlais, j'ai fustigé le communiqué
De la DCI, ouais, qui manquait de ce caractère républicain et qui n'a pas mentionné le nom de son époux Alpha Condé. Ouais. Mais j'ai dit attention, je n'étais pas d'accord avec Alpha Condé. Ouais. Et justement, un pan de ce que je voulais dire hier se confirme justement dans cette révélation de l'ancien Premier ministre Coumara. Ouais. Dans le même temps, je ne suis pas d'accord avec lui au second degré. Pourquoi? Quand il dit, par exemple, quand il dit que le gouvernement ne doit pas du tout approcher la dépouille de Hadia Djenné, j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec lui parce que le même principe démocratique que j'ai évoqué, qui obligeait la présidence de mentionner le nom de son époux, ancien président de la République, et elle qui est décédée, ancienne première dame de la République, le même principe voudrait justement que l'État, je ne dis pas Mamadi Doumbouya, j'ai dit l'État, que l'État lui rende les hommages dignes d'une ex-première dame. Il est de son droit, si on les lui accorde, que la dépouille passe par Istanbul, ouais, qu'il la voit pour une dernière fois. Je pense que c'est ça qui va se faire finalement, Mamadouri, parce qu'il y a une bataille qui se mène entre Alpha Condé, voilà, le camp d'Alpha Condé du RPG Arc-en-Ciel, et à l'opposé, le camp de l'État guinéen représenté par le CNRD et tout le gouvernement de transition. La bataille, elle est féroce et tout porte à croire que c'est le CNRD qui pourrait avoir le dernier mot et le corps passerait par Conakry avant de se rendre à Cancan. En tout cas, j'ai dit. Et éventuellement, selon nos dernières informations, le corps ne passerait même pas par la Turquie. Cela est de son droit, je le répète. Ouais. Parce que ce que nous savons, ce que l'opinion sait, jusqu'à preuve du contraire, ils sont mariés. Quel que soit ce qui s'est passé dans le couple, à l'insu de l'opinion, du public, ce que le public sait, ouais, jusque maintenant, c'est qu'ils sont mariés. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, et du droit que Alpha a, c'est qu'on peut faire passer le corps par là pour qu'il la voie pour une dernière fois et puis qu'elle rentre en Guinée. Une fois que le corps rentre en Guinée, l'État a le droit de récupérer le corps et de lui rendre les hommages, ouais, qu'elle mérite avant qu'elle soit enterrée à Kanka. Je prends un exemple, donnez-moi un peu de temps. Oui, allez-y. Ce qui s'est passé au Burkina récemment à Bakar. Les corps de Thomas Sankara et de ses compagnons ont été exhumés de là où ils étaient enterrés. Et l'actuel régime, ces jeunes qui sont au pouvoir, ont décidé de les enterrer à nouveau au Conseil de l'Entente, où ils ont été assassinés à l'époque. Ouais. Une grande partie de la famille de Sankara n'était pas d'accord, y compris sa femme et certaines de ses filles, parce qu'ils estiment que c'est là où ils ont été assassinés. Donc si vous voulez les enterrer là, nous ne nous opposerons pas, parce que c'est l'État et c'est un ancien chef d'État. Bien. Mais nous n'irons pas à cette cérémonie. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont été enterrés là, ouais, malgré que c'est finalement l'État qui a eu le dernier mot. Au nom de ce principe-là, l'État a le droit de prendre le corps et de lui rendre les hommages. Et je termine à Aboubakar en disant certaines, ouais, choses. Vous savez, de ce que j'ai entendu, ouais, et mes oreilles sont témoins, c'est que c'est Mamadi qui a renversé Alpha Condé. Nous les critiquons ici sévèrement tous les jours pour ce qui n'est pas bon dans la, ouais, conduite de la transition. Ouais. Ouais. Mais une chose qu'il faut quand même dire, c'est que depuis le coup d'État, il y a des actions que le CNRD a fait à l'endroit de l'ex-première dame. Effectivement, ouais. Qui l'ont fortifié, qui l'ont, si vous voulez, soulagé. Bien entendu, ouais. Soulagé, oui. Mieux que certaines choses qu'elle subissait les derniers moments du régime d'Alpha Condé. Ouais, ouais. Même ça, la prise en charge médicale. Il faut le dire. Et de mes oreilles qui sont témoins, et nous sommes au mois de Ramadan, Aboubakar, ouais, et la main qui a facilité ces bonnes choses, c'est bien le ministre Moury Kondé. Il faut le dire, ouais, comme les choses sont. Cette dame, avant de mourir, Bala Samoura. Ouais, cette dame. Apparemment, les deux ont vraiment fait le nécessaire depuis que le coup d'État est intervenu pour être au chevet, en tout cas pour que cette dame ne manque de rien, parce que elle continuait d'être rongée par cette maladie. Ouais, je crois qu'elle elle a dû revenir une ou deux fois à Conakry, ouais, et quand elle était là, sans que cela ne soit public et publicitaire, le CNRD lui a apporté toute l'attention, soutien, ouais, et tout le soutien, et ils l'ont conforté. Je le dis en connaissance de cause, et ce que je sais aussi, et je le dis en connaissance de cause, c'est que avant de mourir, ce qui confirme son attachement à la paix, et l'émission que j'ai faite avec elle en est une preuve, ouais, là encore avant de mourir, les derniers mots presque qu'elle avait à la bouche, elle priait pour la paix en Guinée. Effectivement. Elle priait qu'il n'y ait pas de guerre dans, ouais, ce pays. Ouais. Elle priait qu'il y ait le bonheur que en les Guinée, fils et les filles ne se tapent pas dessus. Ça, c'est les mots, ouais, qu'elle a lâchés avant de mourir. Donc, il y a lieu qu'on fasse tomber, qu'on fasse tomber la tension,
et qu'on laisse que ce qui doit se faire autour de ce, du corps, si l'État veut lui rendre les hommages, qu'on lui laisse faire ses hommages parce qu'elle les mérite. Bien, voilà. Mamadouri. Talibé, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui, si on écoute Mamadouri et de tout ce qu'on a entendu depuis ce décès, on a l'impression que l'ancien président Alpha Condé ne s'est pas occupé de ce qu'elle revendique comme, ce qu'il revendique comme son épouse, convenablement, comme cela se devait. Oui, c'est le sentiment, ce passage de témoignage de comment dirais-je, Camara, Monsieur Camara, laisse penser que le président Alpha Condé a fait une sorte de mea culpa, reconnaissant n'avoir pas entouré de toute l'attention nécessaire cette première dame si aimable, si attentionnée et si soucieuse du sort des couches vulnérables dans ce pays. Ouais. Parce qu'il dit que ça s'est passé au mois de juin. Alors, est-ce que, la question que je me pose, est-ce que jusqu'au mois de juin, au moment où, en tout cas, Camara voyait ce message, est-ce que Alpha est resté encore loin de sa femme? Mais est-ce qu'après le mois de juin, puisque s'il a fait aveu de déficit d'attention vis-à-vis de sa femme jusqu'au mois de juin, en tout cas jusqu'à ce que l'ex-première dame montre ce message à Camara, est-ce qu'après le mois de juin, il en a pris soin? C'est l'autre question. C'est une question à se poser. Toujours est-il que cette dame, dans son témoignage, Camara décrit une dame, et tout le monde a dû le comprendre, une femme humble, modèle d'humilité, ouais, et de stoïcisme. C'est important. Et de stoïcisme. Ouais. Donc, qui savait souffrir. Et qui aussi, c'est important, ce point aussi qui a retenu mon attention, Camara, l'ancien Premier ministre, cabinet Camara, l'a décrit aussi comme une personne qui ne manquait pas d'orienter vers son pays toute opportunité pouvant faire avancer la Guinée. Par exemple, c'est grâce à ses relations personnelles avec Mme Erdogan, l'épouse du président de la Turquie, que les autorités de ce pays se sont intéressées à la Guinée avec tout ce que, voilà, j'essaie donc de retrouver le bon texte, avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui comme bénéfice de cette coopération. Oui, bien évidemment, une patriote, donc une dame qui aurait dû, en tout cas, bénéficier de toute l'attention, de tout le soutien. Alors, est-ce que, c'est pourquoi on pose la question dans notre intro, est-ce que à la fois son mari et l'État guinéen en ont suffisamment pris soin pendant cette période de maladie? Et on n'a pas assez d'informations concernant l'attitude, la présence du président Alpha Condé auprès d'elle en ce moment difficile de maladie. Mais Ouri l'a dit, je rappelais hier le contenu d'un article de Média Guinée qui disait que Mme Guéné était venue en Guinée discrètement, amenée à Cancan par un jet affrété par le CNRD, qui lui a permis d'aller donc discrètement séjourner à Cancan, revoir sa maman et revenir. Ouais. Certains disent même qu'elle avait une maison en construction à Cancan et que c'est le CNRD qui a aidé à faire achever cette maison. C'est normal parce que c'est une première dame, ouais, qui en a apporté tant à des gens larmoyants qui n'avaient rien, qui vivaient de très peu, ou comme les François Hollande les appelait, les gens de peu, ouais, qui étaient nécessités. Elle les a aidés, elle a apporté du soutien et elle a consolé, elle a consolé des Guinéens. L'État guinéen, si c'est que le CNRD, si c'est qu'on prête au CNRD comme étant des actions positives en sa faveur, le CNRD n'a fait que son travail, ouais, l'État guinéen n'a fait que son travail. Donc cette dame, elle a besoin de reposer en paix, ouais. Arrêtons, en finissant avec la polémique justement née de ce communiqué malencontreusement, qui a malencontreusement ignoré de faire cas de son époux, le président Alpha Condé. Ouais. Parce qu'officiellement, quand même, Alpha Condé reste son époux. Son époux. Ouais. Et demander au président Alpha Condé aussi, oui, de mettre balle à terre. On déplaise. Oui. Même l'icône, qu'est-ce que tu. Demander au président Alpha Condé. Qu'est-ce Abakar, que tu veux raconter? Il est son époux, monsieur. Quand même. Abakar, je termine par là en disant que le président Alpha Condé doit aussi mettre balle à terre. Ouais. À mon avis, il doit laisser l'État gérer cette situation. L'État s'associer, voilà, à ces funérailles-là. Parce que forcément, ce dont j'ai l'impression, c'est que jusque dans la famille de Hadja Djenné, les positions sont en tout cas divisées. Ouais. Il y en a qui sont
favorable à la position d'Alpha Condé, il y en a qui sont favorables à ce que l'État guinéen soit associé également à ces funérailles. J'ai l'information contraire, c'est que dans la famille, il y en a peu qui s'alignent sur la position d'Alpha Condé. Oui, il y en a peu, Très peu d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y en a au moins quelques-uns. Pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. Allez-y, l'icône. Je respecte vos opinions, mais je ne les partage pas ce matin. Bien, c'est ton droit, mon cher. Ok. Bien. Combien d'hommes se séparent de leurs femmes? Mais s'il n'y a pas de divorce officiellement, nous sommes des croyants. Alpha Condé reste le mari de Djenné Kaba Condé. Mais c'est ce qu'on a dit. Oui, non, laissez-moi continuer. Non, personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit le contraire. J'ai dit ici officiellement, monsieur. Vous venez de m'écouter. Le traitement qui lui a réservé, c'est un autre débat. Non, ce traitement, allez-y. C'est vous qui en parlez. Oui. Moi, je condamne la tribune de Comara personnellement. Je condamne la tribune de Mais pour quelle raison? Oui, la raison est simple. Oui, allez-y. Mais quelle était l'opportunité? Quelle était l'opportunité? Quelle était l'opportunité pour lui? Il a manqué l'occasion de se taire. Parce qu'il vient créer une nouvelle polémique. Il n'a pas lieu d'être. Sincèrement. Oui, vous me décevez. Oh là là, franchement. Sincèrement, vous me décevez. Mais pourquoi? Ce sont des confidences. Ce sont des confidences qu'on lui a confiées. Avait-il besoin vraiment de publier cela? Il vient enflammer une nouvelle polémique qui n'avait pas lieu d'être, sincèrement. C'est pas possible. Gabriel Comara a manqué l'occasion de sauter à Boubacar Diallo. Oui, alors quand même. Je peux. Vous parlez quand même de l'ancien Premier ministre. Oui, non, peut-être. Justement, mais devrait se taire. Un peu de modestie dans le monde. Mais devrait se taire à Boubacar Diallo. Mais non, s'il te plaît. Allez-y. Allez-y. Complètement à côté. Non, mais complètement. Mais le problème, c'est mon avis. Mais devrait se taire à Boubacar Diallo. Pourquoi? Les confidences qui lui ont été faites n'étaient pas destinées à être mises sur la place publique. Dans nos palais présidentiels, il y a beaucoup de. Le problème, parce qu'il y a déjà une polémique sur son itinéraire qui n'est même pas encore réglé. Et lui, il vient sortir ses confidences qui lui ont été faites par Dame Djenné Kaba Condé lorsqu'elle était malade, qui met aujourd'hui le président Alpha Condé dans une mauvaise posture parce qu'en réalité, ces informations n'étaient pas destinées à être mises sur la place publique. Je pense que tout ce qui s'est passé concernant son traitement et tout ce qu'on a connu aujourd'hui, sincèrement, ces informations devaient être gardées au niveau de la famille et même l'assistance vraiment qui lui a été apportée. Oui, jusqu'à preuve contraire. Quelle assistance? Non, mais vous l'avez dit que le ministre Mori Kondé et le général Balassa Moura. Nous sommes informés, monsieur. Oui, mais justement, mais tout ça, en fait, on est en train de créer à Boubacar Diallo une polémique inutile sous la mort de cette dame. Juste à preuve contraire, le mal. Est-ce que tu peux désactiver certains micros pour. Je suis désolé. Jusqu'à preuve contraire. La dépouille de Dame Djenné Kondé appartient au président Alpha Condé parce que j'étais marié. C'est qu'on veut te dire, voilà. Bassekou. J'étais marié. C'est qu'on veut te dire, Bassekou. C'est que. Mais non, Bassekou, je pense qu'il faut, savoir raison garder. Ce qu'on veut te faire comprendre ici, c'est que même quand Alpha Condé était au pouvoir, il ne s'est pas occupé de sa femme. Mais pourquoi après son décès on n'a pas besoin de le dire parce que c'était sûr de tout le monde, Bassekou. Non, mais puisque mais c'était sûr de tout le monde, on n'avait pas besoin de dire ça à Boubacar Diallo pendant que vraiment aujourd'hui sa famille est durement éprouvée par cette maladie. Où tu étais pour ne pas constater que cette famille était presque abandonnée, était abandonnée à son triste sort? Mais est-ce que c'était le moment de le dire à Boubacar Diallo? Est-ce que c'est une révélation cela? Oui, mais c'est tout. Oui, mais ce câble Comara avait besoin vraiment de sortir cette tribune pour nous parler de tout ça. Ici, on veut te faire comprendre que cette dame qui s'est sentie abandonnée par son mari lorsque celui-ci était au pouvoir, elle a plutôt bénéficié de toute l'attention des nouvelles autorités. Est-ce que ça suffit, monsieur? Non, ça ne peut pas suffire. Bien, allez-y. Moi, j'estime que c'est un faux débat qui est en train de s'installer. Pour ma part, M. Comara n'avait pas besoin de cette tribune. Ben, pour ma arrêtez part. De vous en prendre. Oui, non, mais je ne pas à lui. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour ma part, vous l'avez défendu, on ne vous a pas dérangé. Bien. Laissez-nous place nos réponses. Allez-y. M. Comara n'avait pas besoin de cette tribune. Mais on connaît sa position avec le CNRD. Il est avec le CNRD. Quelle est sa position? Encore une fois, voilà. Mais non, je ne vais pas te laisser te noyer, monsieur. Non, je ne me noie pas. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Nous savons que M. Comara est l'un des protecteurs. Je t'évite une noyade en plein océan, monsieur. Non, pas du tout. Laissez-nous placer nos arguments. Allez-y. Laissez-nous parler. M. Comara n'avait pas besoin de cette polémique. Moi, je l'aurais compris si cette tribune avait été publiée au lendemain du 5 septembre.
qu'on dise que le président ne s'est pas occupé de sa femme, je peux comprendre. Quelle était l'occasion? Oui, l'occasion, oui. Mais quelle est l'occasion aujourd'hui? L'occasion est là. Mais attendez, quand même. L'occasion est là. Oui. L'occasion, non. La plus belle occasion, oui. Elle est là. Non, 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 Boubacar Diallo. L'occasion aujourd'hui. Je t'écoute, Lincoln. L'occasion. Mais accepte l'interactivité, oui, mon cher. Oui, j'accepte. Bien sûr. L'occasion aujourd'hui, oui, c'est de renforcer le CNRD dans sa perdition. Parce que le communiqué qui est sorti, vous vous attaquez mais tu me fais pitié. Vous vous attaquez à l'effet, en laissant la cause. C'est quoi la cause? Je te pose la question de savoir, oui, qu'est-ce que tu sais des relations, des rapports? Parce qu'il y a tellement de commentaires, tellement de choses qu'on entend ici et là, oui, sur des prétendus rapports entre Comara et le CNRD. Qu'est-ce que tu en sais? Tout ce que je sais. Qu'est-ce que tu en sais? Tout ce que je sais. Voilà, officiellement, nous sommes sur la place publique. Tout ce que je sais. Combien de femmes, combien de couples sont en séparation? Mais non, mais je t'ai posé une question précise. Attends, laissez-moi continuer. Combien de couples sont en séparation de corps? Encore une fois, il est élu de la question. Le plan religieux, bien. Tant que vous n'êtes pas séparé de votre femme officiellement, elle reste votre épouse. Aujourd'hui, ce corps appartient à Alpha Condé. Si vous voulez l'avoir, si vous... Non, il y a un forcing. Moi, j'ai été contacté hier. Non, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire que... Moi, j'ai été contacté hier. C'est pour une position femme du CNRD. C'est pas possible. J'ai dit que je ne le ferai pas parce que Alpha Condé est le mari. Madame Yenek Kaba n'a jamais dénoncé officiellement ses relations tendues avec le professeur Alpha Condé. C'était une femme digne. Aujourd'hui, oui, peu importe. Aujourd'hui, c'est le mari qui enterre sa femme. Puisqu'ils ne se sont pas séparés, peu importe ce qui s'est passé entre eux. Si l'État guinéen veut récupérer ce corps-là, l'État doit passer par Alpha Condé. Ces manœuvres dilatoires ne doivent pas marcher. Monsieur Comara, vous êtes passé à côté. Cette tribune n'avait pas lieu d'être. Aujourd'hui, lui-même, dans sa tribune, il a fini par adresser ses condoléances au président Alpha Condé de sa tribune. Ce que le CNRD n'a pas fait. Depuis 3 jours, on a rectifié le communiqué pour mettre Alpha Condé. C'est son épouse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est une récupération. Oui, oui, mais bien sûr. Oui. Le corps appartient à Alpha, oui, c'est son mari. Mais on est en train de faire le forcing pour bypasser Alpha. On est tous d'accord. Sa famille n'acceptera pas. On est tous d'accord que ce corps doit passer par la Turquie pour que Alpha puisse se récupérer. Monsieur Mère veut faire le forcing. On est tous d'accord. C'est le forcing que l'RPG veut faire. Mais on est en train de faire le forcing. Mais reconnaissez-nous la liberté de penser. Non, on vous reconnaît. Mais nous aussi, reconnaissez-nous. Mais nous aussi, reconnaissez-nous comme notre position talibée. Parce que vous avez tendance. Bien. Mais vous avez parlé, vous refusez que le forcing que l'RPG veut faire. On va laisser Lincoln aller. Vous avez parlé. Écoutez, oui. Bien, Lincoln, continuez à parler parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est ce que nous essayons de faire. C'est simple, nous écoutons, messieurs. Pour avoir ce corps. Il faut passer par Alpha Condé qui n'est pas un pestiféré de sa femme. Jusqu'à plus de choses ne sont pas. Personne n'a dit que nous sommes des religieux. Nous sommes des croyants. Ce corps appartient à Alpha. Ah, c'est lui qui doit l'enterrer. C'est du ronronnement. Aujourd'hui, on est en train. C'est du ronronnement. Non, non, non. Ce que tu dis là. Non, on est tous en train de que c'est sa femme. D'accord. Que le corps lui appartient. Pourquoi ne pas changer de communiqué? Le débat, c'est est-ce que tout le monde a pris soin de cette dame? C'est ça le débat. C'est pas le débat. Le débat, c'est la mort. La confidence faite par. Attention, la confidence. La tribune. Comara a le droit de témoigner. Bien sûr. De rendre hommage. Mais étant d'ailleurs. Le débat, étant d'ailleurs sur le passage. Attention. Parce que Talibé, c'est important aussi de le dire. Parce que l'icône, certainement, il ne sait pas. Comara est très proche de la famille. Je dirais qu'il est de la famille. Attention, parce que vous n'êtes pas forcément au courant de toutes les implications en termes de relations familiales. Moi, je suis des cancans, monsieur. Abaka, on le sait. Moi aussi, j'ai des amis à cancans. Mais aujourd'hui, je pense qu'on fait tout pour dédouaner le CNRD. La cause de tout ce qui s'est passé, c'est le communiqué. Pourquoi il n'est pas encore rectifié? Ce communiqué est à condamner. Pourquoi il n'est pas rectifié? Ce communiqué est à condamner. On l'a suffisamment condamné hier pour dire qu'on n'avait pas à ignorer Alpha Condé. Oui, on l'ignore. On veut encore le déposséder du corps de sa femme. Ce qui n'est pas normal. Mettez bas la terre, l'honneur est à Alpha, que les gens fassent la diplomatie. Moi je vais dire seulement, si vous voulez ne me donner plus la parole dans cette émission. Allez-y. Si vous voulez, je ne parlerai plus dans l'émission. Non, tu as tout le temps, voilà. Mais je vais juste dire quelque chose à l'école. Voilà, quand même, sachez que nos deux frères Baldé n'ont pas encore pipé mot. Je vais juste dire quelque chose à l'école. Il y a quelque chose que je lui ferai écouter. Pas maintenant, mais je lui ferai écouter quelque chose. Bien sûr, Deuxièmement, hier, j'ai presque craché sur ce communiqué-là. Tout à fait. Mais c'est pas Alpha qui m'a contacté pour que nous disions ce qui a manqué dans le communiqué. Ouais. Personne n'a contacté qui est personne. Ça c'était une vérité. Voilà, pour prendre position. Je l'ai dit. Mais dans le même temps. Dans le même temps. Et hier c'est là-dessus que je me suis arrêté. Je n'ai plus pris la parole malheureusement. Je disais que je crache sur ce communiqué, mais en même temps je suis pas d'accord avec Alpha Condé. Le même Alpha Condé disait souvent quand il ranguait les foules en Malinké, je cite, il bat deux fois n'y a rien, il deux fois soumbarani.
vous pouvez traduire ça littéralement. Bien. Mais justement, c'est en cela qu'on doit dire dans le même temps, c'est du droit d'Alpha Condé, que la dame passe par là-bas s'il le sollicite pour qu'il voie son corps avant qu'elle ne vienne. C'est de son droit qu'on mentionne son nom dans un communiqué de la République qui annonce la mort de sa femme et qui présente les condoléances. On l'a dit, ce n'est pas lui qui nous a contacté pour dire alors, ça. Mais dans le même temps, il faut qu'on lui dise que le même principe démocratique veut que l'État, pas Mamadi, je le répète, que l'État rende des hommages à cette dame. Ouais. Mais hier, Lincoln disait tout ce que le CNRD a fait de mauvais à la dame en fermant sa fondation. Ouais, en lui retirant les jardins. Mais dans le même temps, si le même CNRD a fait quelque chose de bien pour cette dame, pourquoi vous ne pouvez pas le reconnaître, Lincoln? Alors, je m'arrête là-dessus, Aboubacar. Ouais, vous n'êtes pas quand même un anti-CNRD. Je m'arrête. Non, c'est ce que je dis. Non, officiellement. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas un anti-CNRD. Non, pas du tout. Voilà, c'est ce que je dis. C'est important que le que vous avez appris là. Lincoln n'est pas un anti-CNRD. Voilà, c'est un républicain tout simplement. C'est très important que je mentionne cela. Parce que je dis tout ça pour que de part et d'autre, les gens. Sache raison garder. Ouais, mettre balle à terre. Mettre balle à terre. Tous ceux qui ont un rôle positif à jouer autour du corps de la dame, pour qu'elle soit dignement accompagnée, joue ce rôle. Alpha, bien. La famille de la dame, la République, nous autres, chacun joue ce rôle-là. Bien. C'est cool. Le CNRD ne doit pas faire j'espère de forcing. J'espère qu'on s'est calmé. Non, on s'est calmé, mais je pense que il faut la diplomatie. Puisque c'est le communiqué polémique là qui est venu créer tout le problème, je pense que le CNRD a le temps encore vraiment de procéder à cette réparation. Moi, je suis d'accord que le corps transite par Conakry, je n'ai aucun problème par rapport à ça, mais il faut le consentement de son mari, qui est l'ancien président de la République. Ce consentement. Non, attendez, Aboubacar, parce que c'est vous qui l'avez dit ici. C'est de la petite critique, sincèrement. Tous les efforts doivent être consentis aujourd'hui pour que le corps de dame Djenné Kaba Condé transite par Conakry et qu'elle soit inhumée du côté de Kankan. Moi, je suis d'accord par rapport à tout ça. Mais Kabiné Koumara n'avait pas vraiment à sortir, comment on appelle cette information, cette confidence. Mais parce que vraiment, qu'est-ce que tu as contre la personne de Koumara? Je n'ai rien contre la personne de Kabiné Koumara. C'est un intellectuel que je respecte beaucoup. Et tu penses que lui n'a pas le droit de témoigner, de rendre hommage à la dame? Oui, il a témoigné, mais ce qu'il a dit après, c'est qu'il s'enfonce, qu'on appelle le président Alpha Condé, l'ancien président. Pour dire qu'on peut que le président Alpha Condé. C'est ça la vérité. Non, cette vérité, il devrait vraiment garder cette vérité par deux vers Aboubacar Diallo. Allez-y, Mamadou. C'est ça la vérité. Allez-y, Mamadou. Voilà, on va terminer par le sage. Je pense que c'est vraiment regrettable de voir aujourd'hui la tournure que tout ça est en train de prendre. De son vivant, je pense que le sort qui a été le sien, je veux bien parler de l'ancienne première dame, vraiment, elle ne méritait pas ce sort-là. Aussi bien de la part de son mari, mais aussi après, maintenant, avec son décès, tous ces tiraillements-là. Je pense que ce n'est pas le moment de se tirailler au sujet de son enterrement, tout ça. C'est le moment, en tout cas, de lui rendre hommage, un hommage mérité, dû à son rang dans cette première dame. Parce que je retiens de cette dame, Aboubacar, une femme sobre, une femme élégante à tout point de vue. On l'a vu pondérée. Habituellement, nous savons beaucoup de premières dames, elles sont dans les excès, elles essaient d'influencer leurs époux. Dans les extravagances, oui. Exactement. Yeah. Mais celle-là, c'était tout à fait le contraire. Ouais. Bien sûr, elle n'avait pas le même tempérament que son époux. On a vu également tout ça. Ça a été difficile de vivre. Mais je pense qu'elle est restée vraiment digne, un modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, elle ne mérite pas tout ce brouhaha autour d'elle. Autour de ses obsèques. On l'a vu avec sa fondation. Je pense qu'elle a fait des merveilles à travers des choses extraordinaires. Au niveau du social, elle a assisté des gens. Ouais. Elle a fait beaucoup. Je pense qu'il faut taire maintenant toute cette polémique. Toutes ces polémiques. Ouais. Bien. Henri Dian pour pleurer. Je dirais que cette tribune de M. Koumara ne révèle rien qui était inconnu de la part de l'opinion. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos amis ici. Malheureusement, on n'y a pas pu. C'était un secret de polichinelle de dire que Hadja Djenné passait pour une épouse délaissée.
et qui ne faisait que jouer, sous jouer les utilités, disons, à la présidence. Mais cela comment relance un peu ou rappelle le cynisme à Aboubacar de certains hommes de pouvoir à s'accommoder à la vie de couple depuis Néron, qui avait exécuté son épouse ainsi que sa mère, Idi Amin, qui avait congédié trois épouses le même jour, Bokassa, qui se servait des femmes juste comme des éprouvettes. Il t'épouse, tu fais des enfants, il te chasse, il récupère les enfants, ainsi de suite. Donc, les hommes de pouvoir sont ce qu'ils sont, la sont plupart. Ce qu'ils sont. Ouais. C'est vrai que le modèle anglo-saxon, parfois c'est sans cœur. Le modèle à l'américaine voudrait que vous soyez là, un père de famille, modèle, tout ça, mais ouais, c'est très rare. Hein. Ouais. Parce que la famille, elle est essentielle. Et voilà, on va s'arrêter là et on va à notre niveau, voilà, taire la polémique, tenter donc de mettre fin à la polémique ici. Nous marquons la pause, on revient pour continuer Mirador. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi, le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec définition parfaite, disponibles en deux et trois pièces, des couvre-matelas, des pyjamas, des caftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison ou bureau, Nordine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves et de vous assurer des tenues qui conviennent à tous. Adresse Madina, route Niger, en face du centre Madame Barry. Téléphone 621 94 56 66 et à Coloma Marché 628 54 64 46. Nourdine et Frères, le bon prix pour dormir et s'habiller. Welo welo aduna tingi tingi. Kino yiri salam lemone, salam pom. No kasahara ko salam mango. Angkali, salam bunye non. Hey, fihon nungina salam gilado. Emi, yoni non ko hondu kurani yo. Hiko no min kala ko ni ji salam ko wala la match. Salam, Julie ge fi kala ko yidu donko. Salam, souriez à la vie. Le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme? Non, salam mangue peut-être. Et salam ananas? Pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moyen, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la dia. Ora ile, salam le munutale du mayenge. Salam pomdo. Ile fana. Salam mankorontaro. Neke ni salam kia bibitari do. Mune ilo ntanya basa nuotaro.
Il le connaît. Connais-moi qu'on a voté pas. Qui est mon corps tout? Abé, juste salam, bé tout manié. Salam, guide guignanama, dias me de la renée maintenant. Salam, souriez à la vie.
Tous, Jean-Pierre Koyebogi sera face aux officiers enquêteurs de la gendarmerie du marché Niger à Kaloum ce mardi. Le président du collectif des enseignants est accusé de diffamation et de calomnie par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Interpellé en début de week-end, quelques heures après, il a été mis à la disposition de son conseil. Selon plusieurs informations, le procureur du tribunal de première instance de Kaloum lui a accordé cette remise en liberté pour des raisons de santé. C'est une information à lire sur www.fimguinée.com en Zéré-Corée, en Guinée forestière. Le siège de la Société des eaux de Guinée est assiégé depuis deux jours par la gendarmerie, laquelle cherche à récupérer le local qui sert de siège à l'entreprise au motif que ce bâtiment l'appartient et devrait servir de base à l'escadron mobile. Selon nos confrères basés dans la région, aucun employé de la SEG n'a accès à ce qui serait dorénavant l'ancien bureau de la Société des eaux de Guinée. Un titre foncier qui circule sur les réseaux sociaux indique que le domaine appartient à la gendarmerie. Sur le continent, plutôt, Lula entame ce mardi une visite officielle en Chine jusqu'au 14 avril. Lors de sa visite de 4 jours en Chine, le président du Brésil compte présenter à son homologue Xi Jinping son plan de médiation pour la paix en Ukraine. Les deux pays pourraient aussi s'entendre sur les semi-conducteurs, ces éléments indispensables à la fabrication des puces électroniques, mais dont les États-Unis ont fortement restreint les exportations vers la Chine depuis octobre 2022. Pour finir, quelques jours après être revenu de Chine, le chef de l'Élysée se rend aux Pays-Bas ce mardi pour une visite officielle, la première d'un président français au royaume néerlandais depuis 23 ans. Emmanuel Macron doit présenter sa vision de la souveraineté et de la sécurité européenne en matière économique et industrielle dans un discours ce mardi dans l'après-midi à l'Institut néerlandais. Le président français visitera ensuite les laboratoires de physique quantique de l'université d'Amsterdam. Le couple présidentiel accompagné du roi et de la reine des Pays-Bas se rendra aussi à une exposition avant de regagner demain mercredi soir Paris. C'était tout pour ce soir de l'actu. Restez avec nous dans un court instant. C'est la suite de Mirador avec le juste Aboubacar Diallo. Fim FM. Pour avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. Le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les intérêts. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux. Mirador, la plus grande ville politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Deuxième partie de Mirador, merci de continuer de nous préférer. Je vous le disais dans les titres, une confusion des questions et des risques de désintégration. En effet, depuis plus de deux semaines, la coordination nationale des Foulbé et Alipoulard de Guinée est ébranlée par les querelles de succession de feu et l'ajustement de Valdé sans loi. À date, les partisans de la désignation de l'Ajal Seni Barry pour assurer la présidence par intérim de la dite coordination se heurtent aux défenseurs du principe de la présidence tournante entre les trois duets du Fouta Dialon.
pendant que cette crise traîne, menaçant l'avenir de cette puissante organisation. C'est l'antenne guinéenne de Tabital Poulakou International qui entre également en transe. En effet, le bureau international de cette structure s'est publiquement désolidarisé des conditions ayant présidé au choix de Kornou Yaya Diallo pour succéder là aussi à feu et là sans loi, plongeant ainsi à Tabital Poulakou Guinée dans un tourbillon menaçant. Ces deux crises parallèles risquent-elles de déboucher sur l'implosion de la coordination nationale des Foulbé et Ali Poulard de Guinée et de Tabital Poulakou Guinée? Nous donnerons dans un instant la parole à quelques concernés. Alors qu'on approche la fin du mois saint de Ramadan, fenêtre de répit qui s'est imposée tout naturellement et qui était censée être mise à profit pour amorcer une désescalade politique en Guinée en vue de discussions avec les coalitions politiques et fêtières de la société civile qui boycottent jusqu'ici le cadre de dialogue interguinéen. La médiation menée par les chefs religieux du pays semble ronronner. Elle a chopéré sur les préalables posés par les forces vives de Guinée, des préalables auxquels le CNRD et le gouvernement de transition tardent à donner une suite favorable. Une situation qui a le don d'agacer au sein des forces vives de Guinée. Et voilà, on en parle dans un instant. À l'allure des choses, cette question sur la table, à l'allure des choses, un retrait des forces vives de Guinée de la médiation portée par les religieux est-il envisagé? Et vers le retour des manifestations de rue après la période de Ramadan, des questions que nous allons aborder tout à l'heure dans cette émission. Il n'y a pas de délestage à Conakry, a assuré hier lundi le directeur général DDG qui était face à la presse. Pour lui, l'heure est plutôt à comment maîtriser les pertes enregistrées sur le réseau de distribution à cause de la vétusté des installations, le niveau de production d'électricité ou du moins celui donc de la capacité de production du courant électrique étant suffisant pour desservir correctement toute la capitale guinéenne. Ceci grâce à l'énergie produite par les barrages hydroélectriques de Kalita et Swapiti, au point que DG s'est payé le luxe récemment de rompre le contrat de Karpowership, ce bateau central électrique turc. C'est tout à fait l'exact contraire pour la deuxième ville du pays, Kankanabaya, qui devra continuer de broyer du noir, du moins jusqu'à son interconnexion au réseau électrique du Mali voisin. La seule solution viable sur la table, selon Elhadj Sékou Camara, DG donc de EDG. On en parle avec nos chroniqueurs dans la troisième partie de cette émission. Avant de continuer, voilà le temps donc pour nos chroniqueurs, pour Talibé, de se préparer pour aborder ce sujet en lien avec la coordination Ali Poulard et voilà la coordination Foulbé Ali Poulard de Guinée et Tabital Poulakou Guinée. Et ce message de United States of Africa en tant que non guinéenne et panafricaniste, feu Adja Guinée Kabakondé, l'ancienne première dame guinéenne, était encore mariée au président guinéen plus ferme, professeur Alpha Condé. Le communiqué de presse de la présidence guinéenne sous la mort prématurée de Adja Guinée Kabakondé est rempli de mépris de votre ancien président professeur Alpha Condé, le mari de la défunte. Classiquement, l'expression des condoléances doit mentionner le nom du conjoint. Lamine Philo Kalé qui enchaîne. Bonjour les migradors et bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Je suis d'accord avec Ouri, l'ex-première dame a servi la République de Guinée de sa manière et le peuple lui doit cette reconnaissance dans son ensemble. Concernant la prise de décision où s'est enterré le corps, le président Alpha Condé a le dernier mot. La sortie de l'ex-premier ministre vient juste installer la polémique au sein de l'opinion. Lamine Philo Kalé depuis Lambani chez Rodolfo. Allez, cet autre c'est Mustapha Mousto Baba Faro. Bonjour Titi, le messie des journalistes guinéens. Pour ce qui concerne le communiqué laconique du CNRD à propos de l'ex-première dame de ma Guinée, le colonel Doumbia a raté de prendre le dessus sur le professeur Alpha Condé. Allez, on continue avec Kerlon Silla. Bonjour Titi, je partage l'opinion de Basseko. L'ancien ministre n'avait pas besoin de cette tribune, c'est démagogique. Il a juste versé l'huile dans le feu. Le dernier mot reviendra à Alpha Condé étant l'époux. Allez, cet autre c'est Abdourahmane Sinkin Diallo. Bonjour Titi National et un bonjour particulier à mes parents de Sagalé dans l'Elouma. Permettez-moi de dire bonjour particulier à son excellence président Aliou Ba. Voilà, Aliou Ba, il faut l'annoncer, qui est de retour depuis hier soir. Voilà, il sera avec nous après-demain. Voilà,
voilà, il est notre invité prestige pour une émission spéciale consacrée donc à la sortie de son livre Agir pour la Guinée. C'est dédicace prévue samedi à l'université Kofi Annan à Luba, donc qui est de retour en Guinée. Allez, cet autre, c'est Elage Kandjoura Camara qui s'exprime. Bonjour, elle a été boycottée même lors de l'investiture d'Alpha Condé. Cette dame, d'habitude discrète, a été obligée de faire une sortie publique. A-t-on besoin d'une meilleure preuve pour savoir qu'Alpha Condé n'avait aucune considération pour cette dame qui ne lui servait que d'apparat cosmétique? C'est Elage Kandjoura Camara qui nous envoie ce message. Ibrahima Ndantaba qui s'exprime aussi. Bonjour le juste, le 10 des médias en Guinée. Bonjour à Kassongi, chez mes oncles. Bonjour à Mboukeya, chez ma belle famille. Aboukar, il n'y a pas un qualificatif pour qualifier ce genre de rumeurs infondées. Que de dire que c'est méchant. Je profite ici pour présenter toutes mes condoléances à la famille et aux Guinéens. Une pensée aux otages de la transition, Fonike Menge, Ibrahima Diallo, Biloba, sans oublier Guido Fulbe, Sampolia Fode Bangali Fofana, voilà, qui est un fidèle auditeur. Bonjour à Boakar, bonjour à Daboula et bonjour à toute l'équipe de Mirador. À Boakar, le ministre des Transports doit prendre son bâton de pèlerin pour sauver la population, car nos routes continuent d'endeuiller la population, comme le trajet Koya via Kindia, qui ce week-end a fait plus de 7 morts. Que leur âme repose en paix. Signé Sampolia Fode Bangali Fofana. Allez, on continue avec cet autre, c'est Alseni Oumou Diallo. Bonjour le faiseur de roi et à toute la team. Sans oublier mon Hollandais Fougou Natal d'Amamou Gongoré. Monsieur Diallo, que ses ministres arrêtent de prendre des décisions qui, s'ils sont incapables de les faire respecter, car celles prises par le ministre des Transports et celui de la Sécurité sont toutes foulées au sol. Et cela est regrettable, sinon ces mesures étaient salutaires. Mais hélas, Alseni de IDRG depuis Kansoya, kilomètre 36. Allez, beaucoup d'autres réactions encore à prendre. Allez, Lama Banka, le dernier sur la sélection proposée par Ibrahima Sylla. Bonjour, cher journaliste, c'est Lama Banka. Mon oncle Prak affirmait que c'est fake news. Et plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Merci aux médias qui sont vite partis à la source pour démasquer ce gros mensonge. Le flou est là où la maman a 72 ans et la dame est décédée à 63 ans. Paix à son âme. Lama Banka qui nous envoie ce message. Allez, on va se rabattre sur d'autres canaux pour prendre d'autres réactions. C'est extrêmement important parce que tout le monde a droit à la parole dans cette émission. On y va avec Alpha Moussa Makadjabi du côté du RPG Akansiel. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Le statut du Premier ministre Kabine Komra ne lui permettait pas de révéler une telle confidence sur la place publique. Voilà, il est sur la même ligne que Bassekou et Lincoln. Il n'est pas aujourd'hui un simple citoyen lambda en Guinée. Ses sorties doivent être soignées avant diffusion. Toutes les confidences ne sont pas destinées sur la place publique. Allez, cet autre aussi qui s'exprime, c'est qui exactement? Bonjour à Boakar, colonel Doumbia doit prendre ses responsabilités pour nous éviter de croire encore. Voilà, je ne sais pas, Alia Konsoba, et si vous pouvez vraiment vous appliquer un peu plus, mon cher. Allez, cet autre, c'est qui exactement? Voilà, excellence Kouraté. Bonjour Titi, à toute l'équipe. Je note ce matin 20 sur 20 Bassekou et Ibrahima Lincoln Souma et 15 sur 20 Aboubakar Talib et Houri. Cette sortie des cabinets Komara en cette circonstance douloureuse n'a pas lieu d'être. Cette tribune est inopportune. Créer la zizanie et la polémique autour de la mort de cette brave dame. C'est une confidence, il pouvait le dire dans d'autres circonstances. Paix à l'âme de Adja Djené Kaba Kondé. Allez, cet autre, excusez-moi, autant pour moi, ce message en provenance du Libéria de Fougoum. Bonjour le guide médiatique guinéen, M. Aboubakar Diallo. Je demande à nous, les militants des différents partis politiques, de choisir entre. De choisir notre citoyenneté à la place de notre militantisme, car notre parti est au-dessus de toute autre considération partisane, notre patrie alors. Et sur ce, aimons notre pays qui est éternel à la place des individus passagers. C'est Barry Abdoulaye Fougoumba depuis le Libéria. Mohamed Fofana du RPG Arc-en-Ciel qui s'exprime aussi. Bonjour Mirador, ni le CNRD ni Mirador n'est le co-époux de Djené Kaba Kondé. Alpha Kondé est le seul époux légitime de la première dame
qu'il soit un bon ou mauvais époux, le couple Condé n'a jamais sollicité la médiation des chroniqueurs pour résoudre des soucis dans leur couple. Ceux qui ventilent des services qu'ils ont rendus à Guinée-Caba sont-ils courageux de dire au peuple de Guinée ce qu'ils ont bénéficié d'Alpha Condé et son administration? Très sincèrement, Mirador devrait éviter ce piège. Le parcours professionnel du PM Camara et son expérience de vie ont trouvé leur linceul dans cette tribune. Mes salutations aux otages politiques du CNRD. Allez, je reste là-dessus encore pour une minute. Satina qui s'exprime aussi. Bonjour le commandant du régiment des médias en Guinée et à toute l'équipe. Dites à mon koto Mamadouri plutôt de revoir les paramètres de son téléphone. Sinon, les 4G de Orange sont opérationnels sur toute l'étendue du territoire national. Orange Guinée reste numéro 1 en Guinée sur tous les domaines dans lesquels elle évolue. Nous attendons de pied ferme votre Guinée Télécom. Allez, Souma le Guinéen. Personnellement, je comprends la sortie du PM Kabiné Coumara comme un mouton comprend la prière d'un imam dans ce mois de pénitence. Il devrait au moins se taire. J'ai dit bien se taire. Nos intellectuels ratent de bonnes occasions. Ce pays a du chemin à écrire. Allez, trois dernières réactions. C'est important, Talibé. Voilà, on prend le maximum. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Abdoulaye Sougué. Aboubakar, j'ai une pensée positive aux camarades incarcérés injustement à la maison centrale. Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Biloba, commandant Mamadou Alpha Diallo, Guido Fulbe, peut-être commandant Mamadou Alpha Barry, Guido Fulbe. Nous demandons humblement au ministre d'injonction Charlie Wright de les mettre à la disposition de leur avocat pour au moins fêter à côté de leur famille. Voilà, et selon Abdoulaye Sougué. Allez, l'avant-dernier, c'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message. Bonjour, Master Chéri, je suis parfaitement d'accord avec M. Lincoln Souma et le frère Bassekou. Je vous note 20 sur 20 ce matin. En effet, l'ancien ministre Kabiné Coumara ne devrait pas faire ce témoignage. Le moment n'était pas propice. Quoi qu'il en soit, beaucoup le savent. Toutefois, n'ont jamais fait cas sur la place publique. C'était pour éviter d'exacerber la situation. Du reste, la mort est un tout. L'islam exige de faire les bons témoignages lors d'un décès d'un proche. En dépit qu'il soit un kafir, d'autant plus, c'était musulman, il pouvait garder et se taire, puisque c'est un secret d'État qu'on lui a confié. Ibrahima Corboya Baldi. Allez, c'est Mohamed Douti cette fois-ci. Qui nous écrit aussi. Bonjour Rodolfo, bonjour à toute l'équipe Aboubakar. Lénine disait que l'information est plus dangereuse que le char de combat. Donc les personnes qui doivent donner l'information doivent la traiter avant de diffuser, car la maman de Hadja Djenné se porte très bien. Pour terminer, la famille de Hadja Djenné n'a aucun mot devant son mari Mohamed Douti Kone, qui nous envoie ce message. Sambou, l'alphaïste convaincu. Bonjour l'influenceur. Ce débat autour du décès de l'ex-première dame n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que prononcer le nom du professeur Alpha Condé ne diminuerait rien le pouvoir du petit palais. Au contraire, il allait être une opportunité de rapprochement de certaines positions. Mais dans tout cela, il faut interpeller les sages de la communauté mandingue afin donc de faire taire toutes ces polémiques. Repose en paix, Madame Condé Hadja Djenné Kaba. Allez, le tout dernier qui s'exprime, c'est bien entendu Kaké. Bonjour chers frères de Fim FM. La douleur de la perte de Hadja Djenné Kaba est encore vive, mais savoir qu'elle est auprès de Dieu me console dans ma peine. Je garderai le souvenir d'une personne profondément bonne et aimante dont l'exemple continuera d'inspirer les femmes de Guinée pendant longtemps encore. Nous restons unis pour la prière. Mes condoléances les plus attristées au président Alpha Condé et à la famille biologique de la défunte. Djibril Kaké, ancien directeur national adjoint des sports. Bien. Allez, peut-être, voilà, c'est bien. C'est noté, c'est personnel. Allez, la suite, ma main. Fim FM. C'est Barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, ces deux organisations qui sont secouées par des crises internes. Il s'agit de la coordination Fulbe Yali Poulard de Guinée et Tabital Poulako Guinée. Des organisations qui, ma foi, peut-on le dire aujourd'hui, qui risquent l'implosion même. C'est des questions à se poser parce que à la polémique sur
la désignation de Elhaj Alsine Barry pour succéder à feu Ousmane Baldé Dissaloa, à cette polémique s'ajoute celle liée désormais à la vie de Tabital Poulaku Guinée qui appartient à Tabital Poulaku International. Alors, la polémique est partie de cette lettre rédigée par le secrétaire général de Tabital Poulaku International du nom de Lamido Issa Baye Amadou qui le 9 avril dernier depuis Bangui, la capitale de la Centrafrique a eu ses propos au sujet de la désignation de Thierno Yaya Diallo comme président désormais de Tabital Poulaku Guinée. Il dit dans la lettre, le secrétaire général de Tabital Poulaku International, Lamido, dit avoir appris, en tout cas, il dit il y a eu des décisions, les décisions en tout cas prises liées à la désignation de Thierno Yaya n'engagent ni Tabital Poulaku International, ni le bureau exécutif de Tabital Poulaku International. En conséquence, il poursuit dans sa lettre en disant « Les allégations qui circulent en ce moment dans un enregistrement audio faisant croire que le choix des membres du bureau de Tabital Poulaku Guinée aurait été validé par le bureau exécutif de Tabital Poulaku International. Donc ces allégations n'engagent que leurs auteurs car il n'a jamais été le cas. » Bien. Donc, beaucoup... Donc en bref, Thierno Yaya Diallo, son choix n'est pas entériné. Son choix est contesté par le bureau de Poulaku International. Donc beaucoup... Voilà. Et aux auditeurs, c'est quoi le Tabital Bien, Poulaku? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Oh, quelle est la différence entre la coordination des Foulbé et Ali Poulard de Guinée et cette autre organisation qu'on appelle Tabital Poulaku International qui a son pendant local Tabital Poulaku Guinée? Tabital Poulaku International, c'est l'ensemble de la communauté, en tout cas de tous ceux qui parlent le Poulard, et bien sûr avec des variations. Ouais. Linguistique d'un pays à un autre. Et vous dites la polarophonie, si on peut l'appeler comme ça. La polarophonie. Voilà. Donc il y a cette structure internationale Bien. Qui a des antennes au niveau des différents pays. Donc la Guinée en est membre. Le siège est où De... Le siège central. Bon, j'imagine que c'est. C'est tournant souvent. C'est tournant. Tournant. Très c'est bien. Tournant. Très Parce que l'amido là qui a écrit, c'est à Bangui. Le secrétaire général. Ouais. Ah, il est du côté de la Gambie. Du côté de la Bangui, Bangui. Très bien. De Bangui. Ah, de Bangui en Centrafrique. Voilà. En Centrafrique. Donc, ils ont voulu clarifier en disant que ce tarissement audio qui fait croire que le choix de Thierno Yaya a été entériné ou ils auraient été associés à ce choix. Donc, Tabital Poulaku International dit que. Cela ne les engage pas. Bien. Donc beaucoup ont perçu cette sortie comme étant une façon de désavouer Thierno Yaya Diallo. Mais par la suite, il y a eu certainement dans le sillage de cette déclaration-là, il y a eu un communiqué de Elhaj Alsine, président par intérim de la coordination Foulbé et Ali Poulard de Guinée. Foulbé et Ali Poulard, dans laquelle justement Elhaj Alsine Barry annonce la suspension de Tabital Poulaku Guinée, justement, pour 6 mois. Pour 6 mois, donc, le temps, selon lui, que les modalités de désignation des différents membres de cette structure soient donc discutées, clarifiées, et ainsi pour en arriver à un bureau consensuel. Ouais. Donc, la réaction du côté du camp de Thierno Yaya ne s'est pas fait attendre, puisque. Il y a eu cet article publié par Guinée 114 qui donne la parole à Thierno Yaya. Donc un article publié hier. Thierno Yaya qu'on a sollicité ce matin, voilà, pour l'instant qui n'est pas disponible. Oui, et il nous dit en réponse justement à la décision annonçant la suspension de Tabital Poulaku Guinée par le président de la coordination nationale des Foulbé et Ali Poulard, Elhaj Alsine Barry, il répond, Thierno Yaya réplique en disant cette décision n'est que le fruit d'une incompréhension ou de la confusion de la part de la coordination des Foulbé et Ali Poulard de Guinée. Comme vous le savez, Tabital Poulaku et Guinée donc et la coordination sont deux institutions différentes. Mmh. La coordination ne gère qu'au niveau national, tandis que Tabital Poulaku est dans plusieurs pays dont la Guinée. Donc, il n'y a aucune possibilité que la coordination des Foulbé et Ali Poulard donc
plus suspendre Tabital pour la Coupe Guinée, c'est du faux et usage du faux. Eh bien, je sais que. Bien. Donc, mais qui dit vrai finalement dans cette histoire? Parce qu'on a l'impression que. J'ai l'impression que Tchorner ne comprend pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que c'est le cas? C'est l'impression que j'ai. Il faut d'abord préciser que. Ouais. Toute cette confusion, que ce soit au niveau de la coordination ou au niveau de Tabital Poulakou, résulte du décès de Elhaj Ousmane Baldé Sanloa. Voilà. Donc, sous le magistère de Elhaj Sanloa, comment ça fonctionnait? Quelle était l'interaction entre les deux organisations? C'est la question que beaucoup se posent. Toujours est-il que. Est-ce qu'à l'époque, sous Feu Sanloa, Tabita Poulakou Guinée relevait de la coordination nationale des Fulbe Al-Poulard de Guinée. Je pose la question. Et est-ce que peut-être la confusion. C'est sans loi qui cumulait. Voilà, qui cumulait. Est-ce que la confusion n'est pas partie de ce cumul de la présidence de Tabita Poulakou et de la coordination Al-Poulard? Et bien voilà. Et là, ça veut dire que Alseni Bari veut récupérer. Il veut faire comme sans loi. Est-ce que c'est le cas? La question à se poser à Bakar. C'est que aujourd'hui, beaucoup se posent la question, comme en tout cas Tchernoya le dit, il y a déjà une crise de légitimité autour de Elhaj Alseni Bari déjà. Ouais, ouais. Alors, est-ce que Tchernoya aussi, de son côté, ils ont décidé de faire un peu leur putsch à leur façon, en mettant à profit le décès de Elhaj Sanloa? C'est des questions à se poser. Toujours est-il que ces deux structures qui concernent directement la communauté Al-Poulard de Guinée, sont en pleine crise, sont en pleine vague. Qu'est-ce qui va se passer les jours à venir? Parce que dans sa réplique, Tchernoya a dit que comment est-ce qu'un président élu par intérim pour 4 mois, 10 jours, peut-il suspendre une structure pour 6 mois? Donc, la confusion, elle est totale. Bien. Aujourd'hui. Et pendant ce temps, Talibé, il y a toujours que ce n'est pas la crise liée au cas Elhaj Alseni Bari n'est pas totalement résorbée. D'autant que, si on en croit Africa Guinée, une réunion du Diwal de l'abbé s'est tenue le week-end, donc ce dimanche, chez Elhaj Alpha Tolu à Conakry, ici. Et réunion au cours de laquelle, donc le Diwal de l'abbé exigerait donc reprendre la tête de la coordination après les 4 mois, 10 jours, après la période de transition qui est confiée, en tout cas qui est gérée en ce moment par Elhaj Alseni Bari. Oui, je pense que il faut aujourd'hui se désoler de la manière dont ces événements sont en train de se passer au niveau de la coordination et également des Tabita Poulakou national de Guinée. Aboubakar, si tu permets, vous savez, un jour j'étais à Dakar, il y a un vieux octogénaire qui me disait: Yaya, est-ce que tu connais la devise du Fouta? Je dis non, je ne connais pas. Mais il me dit, contrairement aux devises qu'on connaît, c'est 3 lettres généralement, mais il dit le Fouta a 4 lettres comme devise. J'ai dit ok, apprenez-moi. Il me dit, on a 4 lettres. La première lettre, c'est le Fouta. Après, Foti, Feuyodi, Foli. Ça veut dire quoi? C'est Fouta, unité, consensus et victoire. Alors, il dit, si aussi longtemps qu'on restera ancré dans cette devise-là, c'est-à-dire Fouta, unité, consensus et triomphe, donc on va triompher. Mais lorsqu'on va surtout se départir de ces valeurs-là, notamment l'union et le consensus, on va, en tout cas, on restera divisé et quand même... Et faible. Bien sûr. Donc, mais je voudrais quand même souligner un fait. Moi personnellement, lorsque j'ai écouté Elhaj Ibrahim Onatol dans cette émission-là, je me suis dit, écoutez, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre jusque-là, la vérité se trouve de ce côté-là. Parce qu'il met en avant la question du respect des textes. Ouais. Pour moi, la question du respect des textes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais également, on a parlé du consensus tout à l'heure. J'ai parlé du consensus, mais aussi le consensus sur la présidence tournante entre les 3 duets, à savoir Timbo, Timbi et l'abbé. Je pense que ça devait être respecté, ça devait être sacré. Ouais. Parce que la crainte, c'est quoi? C'est que moi, ma crainte aujourd'hui, c'est de voir aujourd'hui cette coordination nationale des Fulbe et Hali Poulard de Guinée transformée en une organisation patronale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être richissime pour pouvoir la diriger. Parce que là, en ce moment, ça devient dangereux. Lorsque vous avez entendu Elhaj Ibrahim Onatol ici expliquer un peu l'origine et aussi de son parcours, quelqu'un qui a publié 4 ouvrages, je me dis voilà quelqu'un qui comprend les changer, qui pourrait bien, en tout cas, diriger cette organisation-là. Mais par après, quand on a vu le
putsch qui a eu lieu, parce que je qualifie ça comme... Mais non, comment tu peux appeler ça putsch? Oui, un putsch entre guillemets, alors, avec votre sagesse. Bien. Donc, j'accepte de mettre ça. Bien. Mais on sait bien que tu n'es pas radical. Oui, mais... Tu n'es pas dans le... Mais quand même... Voilà, dans le camp des radicaux. C'est le camp des radicaux, on le connaît ici. Oui, Aboubakar. Bien. Mais aujourd'hui, je pense également, il doit y avoir des contre-pouvoirs. Des contre-pouvoirs pour, en tout cas, aider à trouver une solution. Et quand je parle des contre-pouvoirs, je fais allusion à qui? Je fais allusion au calife général du Fouta, Elhadj Bano, qui est là quand même, qui est une autorité également morale très respectée. Autre, en tout cas, autorité, en tout cas, à laquelle on peut faire appel, c'est le grand imam de l'abbé. Elhadj Bano. Oui. Je pense que ce sont des voix autorisées qui peuvent aider aujourd'hui à trouver un consensus. Bien, oui, Bab Tataibi, vous avez des précisions à rajouter. Non, c'est cet article publié par Mosaïque Guinée qui a donné la parole à Elhadj Onatol. Oui, j'ai vu cela sur qu'il y a deux jours. Il dit qu'il n'y a pas eu de déclaration pour dire que j'ai cédé, mais les négociations continuent. Donc dans l'article, il se fait plus long. Il dit d'autres éléments viendront préciser tout cela dans les jours à venir. Les discussions continuent. Il n'y a pas eu de déclaration pour dire que j'ai cédé, mais les négociations continuent. Nous prenons la paix et l'unité. Il y aura davantage de précisions dans les jours à venir. Donc cet article dit que, en tout cas, ces ressortissants de l'abbé ouais, disent que, voilà, Elhadj Alseni Bari peut assurer l'intérim pour les 4 bien mois, 10 jours. Ce que nous allons faire, on va essayer de vérifier tout cela avec quelqu'un qui a pris part à cette rencontre du Diwal de l'abbé. C'était le dimanche au domicile de l'âge. Voilà, j'essaie de retrouver l'âge. Bien entendu, voilà, c'est l'âge Alpha Tolu, doyen du Diwal de l'abbé à Conakry. Donc une réunion qui a duré plusieurs heures, si on en croit notre confrère Africa Guinée. Quelqu'un qui a pris part à cette rencontre, il est en direct, c'est bien entendu Mohamed Chérif Abdallah, président du GUA. Il est sur nos antennes. Bonjour monsieur Chérif, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien ici, monsieur Chérif. Dites-nous, qu'est-ce qui a été discuté au cours de la rencontre du Diwal de l'abbé dimanche chez le président donc, de ce Diwal à Conakry, Elhadj Alpha Tolu? On apprend, selon notre confrère Africa Guinée, que le Diwal de l'abbé serait disposé à accepter que Elhadj Alseni Bari puisse continuer à diriger la coordination nationale des Foulbé Al-Poulard de Guinée en tant que président par intérim pendant les 4 mois donc, de transition, et par la suite, au bout de cette période, qu'il se retire carrément pour laisser la coordination organiser la succession de l'âge Ousmane Baldé Fatako, en clair, pour que le Diwal de l'abbé assure la succession ou prennent la tête de l'organisation. Est-ce que vous confirmez que c'est ce qui a été discuté et décidé? Oui, c'est à peu près ça, parce que, vous savez, il y a des négociations en cours. C'est ce qui est important, parce que ça, c'est purement social. Donc, moi, je me suis impliqué pour que la solution idoine soit trouvée, pour ne pas qu'il y ait de division entre les gens, parce qu'il y a une tension réelle. Parce que la procédure, le processus n'a pas été respecté selon le statut et le règlement intérieur de la coordination Foulbé Al-Poulard. Donc si de tels cas se posent, il faut se lever en tant que fils du Fouta, en tant que fils de l'abbé, pour voir encore comment trouver la solution à ce problème, pour ne pas qu'il y ait de division entre les fils du Fouta. Parce que moi, déjà... comment dirais-je, les coordinations et autres, là, c'est pas quelque chose... C'est tout ce qui est régionaliste, là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ouais. Alors, si la division commence, il faut vraiment se lever, essayer de mettre les gens ensemble pour qu'il y ait des discussions, pour qu'il y ait l'unité et l'entente entre les citoyens, mais dans le respect des règles et des procédures. Bien, on comprend bien ce discours, M. Chérif Abdallah. Mais vous étiez à cette rencontre, M. Chérif, si on peut s'écouter un peu, vous étiez à cette rencontre en tant que, peut-être, excusez-moi du terme, en tant que ressortissant du Diwal de l'abbé, sauf erreur de ma part. Et quel est aujourd'hui le mot d'ordre au sein du Diwal de l'abbé par rapport justement à la question de la succession de l'âge sans loi Baldé? Comme vous le savez, j'étais là-bas effectivement en tant que fils de Diwal de l'abbé, mais bien en sûr tant que aussi président
président de ADPL, la plus grande association de l'ABE créée il y a près de 40 ans. C'est quoi ADPL? Je n'étais pas là-bas au hasard. C'est quoi ADPL? ADPL, c'est l'association pour le développement de l'ABE, et c'est la première association qui a été agréée en Guinée sous le régime du général Lansana Conté. Hein. Bien. Ça fait longtemps. Bien. Quel est le mot d'ordre chez vous, du côté du Diwal de l'ABE? Est-ce que le choix d'Alsen Barry est accepté et entériné? Les gens se sont retrouvés, c'est effectivement ce que vous avez dit, parce que la procédure doit être respectée et c'est les propositions que tout le monde a fait. Les gens ont accepté, si y a l'entente, que Elaz continue à assurer l'intérim pour éviter les tiraillements, pour éviter les problèmes, jusqu'au fin de Vévas. Bien. Le fin de Vévas, il va rendre à la coordination Fulbe Halipilar et la coordination va rendre ça à l'ABE et l'ABE va décider dans l'unité et l'entente. Et bien voilà. La crise est profonde. Est-ce que cette résolution a été transmise à Elaz Alseni et quelle est sa réaction? Non, il y avait ces missionnaires. Moi, j'étais pas là-bas, mais nous avons envoyé des missionnaires. Ils se sont rencontrés. Mmh. Et ils se sont mis d'accord autour de ça, je pense bien. Il ne doit pas y avoir de problème. Donc il y a un accord. Il y a un accord. Nous, on est en train de travailler pour qu'il y ait l'entente. Est-ce que Elaz Alseni Barry a accepté cette formule? C'est ça la question, M. Abdallah. Écoutez, ce n'est pas à moi de répondre ça. Vous pouvez poser la question à Elaz Alseni. Nous, on est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas de division. Pour qu'il y ait l'entente entre... Ouais, mais en même temps, vous plaidez pour le Diwal de l'ABE. Non, c'est pas ça. Nous, on plaide pour que mais la bien sûr. Le statut et la réglementation soient respectés. Parce qu'il ne faut pas oublier, je suis l'un des leaders du FNDC, donc je suis défenseur de la constitution guinéen, mais aussi je suis défenseur de la constitution, de la coordination. Je ne peux pas accepter. Monsieur Chérif Haïdara, pendant ce temps, on voit les représentants des différentes préfectures se succéder au domicile de Elaz Alseni. Oui. On dit que Dalaba est passé, Mamou est passé. Hier, c'était Pita, Lelouma, Dingiraï. Est-ce que ça ne veut pas dire que déjà, en tout cas, au niveau préfectoral, on continue à faire allégeance à Elaz Alseni Barry? Vous savez, c'est trop facile ça. Mais tout le monde était aussi au Diwal de l'ABE. Il y avait le doyen de Diwal de Timbo qui s'appelle Elaz Mamadou Kourassoro et l'un des hommes le plus véridique et le plus respecté de Diwal de Timbo, de Timbi, pardon. Mm. Il était présent là-bas et il y avait tous les préfectures aussi qui étaient présents lors de la rencontre. Écoutez, évitons ce tiraillement. Moi, je voudrais, parce que tout le monde, nous avons des relations très profondes, nous avons des liens familiaux avec tout ce qui tourne autour de cette affaire-là, de Elaz Alseni, Elaz Ibrahim, à tout le monde. Donc moi, il faut absolument que Elaz Alseni, Elaz Ibrahim s'assoient, qu'ils discutent ensemble et qu'ils signent un accord ensemble pour qu'il y ait l'entente. Parce que la division, là, on n'acceptera pas ça. Bien. Donc, ce qu'on retient ce matin, c'est que voilà, la crise n'est pas derrière vous. Oui, Talib, Baba, c'est quoi? Chérif Abdallah, moi, j'ai l'impression que vous ne vous assumez pas ce matin. Faites dans la langue de... On va s'asseoir ensemble et on va trouver la solution dans le... Oui, mais pour le moment, pour l'instant, la solution n'est pas trouvée, monsieur Chérif. Et Chérif Abdallah, moi, j'ai... C'est le constat. Parce que nous sommes des responsables et on va agir conséquemment. Très bien. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous assumez pas ce matin, fait dans la langue de bois. Est-ce que vous voulez me dire que Elaz Alseni Barry doit rendre le tablier après la période de veuvage pour que la coordination, pour que la présidence revienne au Diwal de l'ABE? Et deuxièmement, est-ce que les premiers pas de Elaz Alseni Barry vous rassurent? Écoutez, il n'y a pas premier ou deuxième pas dans cette affaire. Il s'agit de respecter la procédure. Moi, je respecte Elaz Alseni, que je connais depuis plus de 30 ans. Vous comprenez? Et je respecte Elaz Ibrahim, que je connais aussi très bien. Donc, moi, je pense, la solution ici, il faut que les gens s'assoient. Il ne s'agit pas... Mais que faites-vous de l'accord qui a été signé, justement? Quel accord? Oui, mais Onato l'a dit, a parlé de ce contenu, de cet accord-là ici. Non, mais... Oui, non, il parle des textes. Oui, il a parlé des textes. Oui. C'est pas un accord, cela. La coordination. C'est si tu veux, c'est comme la constitution de la coordination. Oui, mais
Bien. C'est la constitution là qui doit bien être respectée et nous sommes sur ça. Qui prévoit une présidence tournante. On peut trouver des consensus. Alors, monsieur Abdallah, est-ce que s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de solution, hein, si vous n'arrivez pas à vous comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... Mais non, mais je pose quand même ma question. Acceptez que je la pose, monsieur Chérif. Voilà, au cas où il y a l'incompréhension continue et qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'entente sur le schéma que vous proposez, celui donc qui voudrait que les textes soient respectés, les textes qui prévoient une présidence tournante qui est cette fois-ci en faveur du Diwal de l'Abbé, au cas où il n'y a pas d'accord, est-ce qu'on va vers une scission de l'organisation? Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en train de parler avec Chérif Abdallah. J'ai eu à négocier entre les ethnies, à plus forte raison entre une seule ethnie. Moi, je pense que les gens cherchent à créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Attention, monsieur Chérif. Entre les ethnies de la Guinée. Et moi, je prône pour ça. Bien. Je ne peux pas m'asseoir et voir la division au foot. Je ne peux pas. Bien. Je vais reformuler ma question, monsieur Chérif. S'il arrivait au terme des 4 mois de veuvage, que l'âge Alseni Barry ne veuille pas quitter, ne veuille pas donc rendre le pouvoir au Diwal de l'Abbé, qu'est-ce qui va se passer? S'il venait à s'accrocher à son fauteuil. Ça serait une surprise pour moi parce que je connais Alseni. Depuis que je l'ai connu, je ne l'ai pas connu comme ça, vous comprenez? Donc je pense que lui aussi, dans la négociation, il va être très souple, il va respecter tout ce qui doit être respecté. Maintenant, si l'abbé décide, c'est lui qui doit continuer, personne ne s'oppose. Si l'abbé décide, c'est quelqu'un d'autre, personne ne s'oppose. Bien. Vous comprenez? Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit aller. Alors, qu'est-ce que... Il faut être souple et dans le respect. Monsieur Abdallah, par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la décision prise par... Elaz Alseni Barry de suspendre Tabital Poulak au Guinée pour 6 mois. Moi, je ne connais pas comment Tabital Poulak fonctionne. Bon, mais je pense qu'une ONG ne peut pas suspendre une autre ONG, c'est illégal. Eh bien, voilà. Il nous explique à vous dire merci. Le problème n'est pas fini avec lui, donc il ne doit pas s'engager dans d'autres problèmes. C'est ce que je vais le conseiller. Eh bien, voilà. Monsieur Chérif Abdallah, président du GOA et de ADLP, voilà, il vient de nous l'apprendre ce matin. ADPL. Voilà, une organisation qu'il a créée, voilà, au temps du feu général de la Sénat. C'est pas moi qui a créé. Ça a été créé, moi, je n'avais même pas 10 ans. D'accord. Très bien. Nous en prenons note. Merci à vous, monsieur Chérif. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Mamadou Ouri et tous les autres, on vient d'entendre Chérif Abdallah qui s'accroche au respect des textes. Sincèrement, comme je l'ai dit depuis le début, ils n'ont qu'à aller au village, aller trouver les plus sages pour qu'ils conseillent les moins sages. Parce que quelqu'un a dit un jour que les orteils des jeunes doivent se poser sur les traces laissées par les anciens. Bien. C'est eux qui sont les sages de la capitale qui doivent être... si vous voulez, les exemples des jeunes de la capitale qu'on a créée ou du pays, en tout cas de leur coordination, ils ne s'entendent pas. Ils font dans ce que nous voyons là, dans ce spectacle. Ce n'est pas assez bien. Et pour ne pas que ça continue, sincèrement, il faut se transporter là-bas, ouais, au centre du Fouta, aller écouter les plus sages. Bien dit. Voilà. L'icône. Moi, je suis étonné d'entendre encore une nouvelle crise, puisqu'on était en train de résoudre la crise par rapport à la coordination. Mais aujourd'hui, il y a une autre crise qui est créée. Et je ne pense pas que Elhadj Alseni Barry aurait besoin, en tout cas, d'une telle décision. Mais de toute façon, ils doivent se retrouver. Moi, j'ai échangé avec beaucoup du côté de la coordination qui disent que cette coordination, pour être à la tête, il faut être suffisant. Puisque si vous n'êtes pas suffisant matériellement, et vous pouvez être... Je n'ai pas dit que c'est ce que je veux. Ah, d'accord. Je dis, on m'a dit. Il dit qu'il a consulté beaucoup de personnes. Voilà, beaucoup de personnes qui disent que si ceux qui viennent à la tête de la coordination n'ont pas suffisamment de moyens, ils peuvent être manipulés. Il faut des gens, par exemple, s'il y a des réunions, qui puissent être capables d'entretenir non seulement les membres ou aider les autres coordinateurs. D'entretenir les membres. Oui, il y a ça. Aider les autres coordinations. C'est pas un parti politique. Non, oui, mais c'est ce que m'a dit. Par exemple,
au temps de l'âge Fatakor, il y avait des rencontres avec les sages de la Basse-Côte, la forêt, la routine, ainsi de suite. Il faut avoir des gens qui puissent quand même avoir les moyens d'engager l'association. Donc il faut entretenir tout le bureau. Peut-être, mais ce que je voudrais... Une seule personne. C'est que, non, pas une seule personne, il faut avoir les moyens. Ce qui doit être fait aujourd'hui, on n'a pas besoin de toutes ces crises. Bien. Que ces messieurs se retrouvent, il y a des sages parmi eux, qu'ils fassent ce qui est bien pour cette grande coordination. Bien, Mamadou Dian. Disons que le psychodrame n'est pas, disons, à bout. Ouais. Avec tout ce qu'on vient d'entendre à travers M. Abdallah, qui est fait un peu dans le funambulisme, parce qu'il est quand même politique, bien. Donc on voit que ça ne va pas mais, du côté... Un message qui ressort quand même de ses propos, c'est qu'il il est sur la ligne de ceux qui estiment que les textes doivent être respectés au pied de la lettre. Oui. Mais n'oubliez pas qu'il est du diwal de l'Abbé. C'est ce que j'essaie de lui opposer. Ouais, maintenant, il a toujours fui la question. Aujourd'hui, Eladj Alseni Barry est parti, il a pris les devants, il est parti loin pour parler comme du côté des Abobo, pour pouvoir revenir en arrière. Je crois que les autres finiront par se rallier. Par se rallier, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Cette histoire de coordination et autres aujourd'hui, c'est devenu une oligarchie, c'est les plutocrates qui ont le dessus. Parce que vous savez, on est dans un monde où pour être, il faut avoir. Bien dit. Quand tu rencontres quelqu'un, il te dit, tiens, où est ta maison? On te voit ici, c'est ta villa. Donc les gens, ils sont, c'est mental. Il y a cette le dieu argent qui a pris le dessus. On est sur le matériel. C'est le matériel. Bien. Pas qu'en Guinée, même en Occident. Dans le monde. Le matérialisme ont pris le pouvoir. On prend le dessus, voilà. C'est le capitalisme, oui. Bassikou, allez-y. On m'apprend que le siège de Tabital Poulaco International, c'est à Bamako. Oui, c'est ma première nouvelle. Ouais. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la coordination Al-Poular pourrait remettre en cause l'unité nationale, l'unité au niveau de cette coordination si des dispositions ne sont pas prises. L'unité entre les fils et filles des absolument. La promotion du dialogue intercommunautaire pourrait prendre un sérieux coup. Ouais. Donc, je pense aujourd'hui que les protagonistes devraient se retrouver sans loi à œuvrer. Pour le renforcement de l'unité nationale, pour la paix, c'était un homme qui était écouté à cause de son leadership, de son franc-parler. Il a laissé un héritage. Je pense que les différents protagonistes aujourd'hui devraient se retrouver pour voir comment éviter une nouvelle crise. Comme vous l'avez dit, la crise n'est pas la crise. Puisque vous parlez de la sans loi, moi je pense que quelqu'un rappelait tantôt qu'il sous son magistère ou pendant son magistère, il cumulait les deux fonctions. Il était président de la coordination nationale des Foulbé Al-Poular de Guinée et en même temps président de Tabita Poulaco Guinée. Je pense qu'il faut retourner à ce schéma. Il faut retourner à ce schéma. Oui, je suis. Mais non, je pas mettre deux capitaines au bord. De deux organisations qui concernent la même communauté. Oui, mais est-ce que les deux organisations ont les mêmes vocations? C'est ma proposition. Ont les mêmes vocations ou pas? Bien sûr. Mais je pense que Eladj Alseni Barry doit œuvrer aujourd'hui à ce que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui puissent notamment être avec lui pour pouvoir éviter une nouvelle crise. Ben c'est une période intérimaire. Ouais. Je sais Diallo, il est pressé. J'ai l'impression que c'est un homme pressé. Absolument. Comment ça s'est passé, sa désignation? Qui l'a désigné? Absolument. Moi, je n'ai... Parce que s'il est désavoué au niveau international par Tabita Poulaco International, ça veut dire que son choix n'a pas été validé. En tout cas, la crise, elle est très profonde. Il doit mettre la pédale douce. Bien, allez-y. Je pense qu'il s'est autoproclamé, il n'a pas attendu que le désir. Mais vous regardez, pour revenir à la crise. Est-ce que tu es d'accord, Bassikou? Il estime qu'il s'est. Tchornoyer s'est autoproclamé. Qu'il pèse financièrement? Parce que ça compte. Alors, Aboubakar, je pense que ce qu'il faut avoir, ce n'est pas de l'argent, à mon avis. Ce qu'il faut avoir, c'est la légitimité. C'est ce qui pourrait aider à résoudre les crises. Très bien dit, la légitimité. Je pense. L'argent est un
qui construit cette légitimité. Alors, je voudrais dire, lorsqu'on dit que, ouais, je pense la que légitimité, c'est aussi la sagesse. Oui, c'est, absolument. C'est le consensus sur les langues qu'incarnent. Oui, oui, mais vous ne pouvez pas faire ce reproche. C'est aussi l'ancienneté. Mais personne ne lui fait ce reproche. C'est un homme sage. La légitimité, c'est viable. L'ancienneté dans l'organisation, c'est lorsqu'on suit la procédure, lorsqu'on est à l'interne, on connaît comment ça se passe. Je pense que c'est ça aussi la légitimité. Et lorsque on dit non, quand on n'a pas d'argent, on est vulnérable. Je pense qu'il n'y a pas plus vulnérable qu'un homme d'affaires, parce qu'il a ses biens aussi, et il est faible devant le pouvoir l'État, politique, ouais. Donc, devant l'État. On a vu le cas de l'ajustement de sa loi. Je pense que à ce niveau, il faut relativiser. Ouais. Mais comme je l'ai dit, d'accord. Il faut relativiser. Il faut relativiser. Ouais. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de ressorts au niveau du Fouta avec des contre-pouvoirs. Je suis d'accord avec Mamadouri, quand il dit qu'il faut se retourner au Fouta. Et je pense qu'aujourd'hui, le calife général du Fouta, El Asbano, c'est quand même une autorité qui pourrait aider à résoudre cette crise-là. Ouais. Mais aussi, j'ai parlé du cas de El Asbadrou, de l'abbé. Il y en a tant d'autres, en tout cas, qu'on peut consulter pour aider à planir les divergences. Bien. Ça, c'est mon avis. Merci bien. Je voudrais quand même soulever cet aspect-là. Oui. El Asbani Bari a été désigné pour assurer l'intérim pendant 4 mois, 10 jours. Oui. Et au début, le camp de Onatol, c'est à ça que le camp de Onatol s'est opposé. Aujourd'hui, en tout cas, si ceux qui se sont réunis dimanche sont du camp de Onatol, c'est à ça qu'ils ont souscrit. Oui. C'est-à-dire qu'ils laissent... Mais en contrepartie... Oui, justement. Oui. Parce que nulle part, je crois, au moment de l'intronisation de El Asbani, on a dit qu'il devait continuer après les 4 mois, 10 jours. Donc, c'est l'intérim qui avait été annoncé. Ouais. Est-ce que, justement, il va se battre pour rester? Mais on sait bien comment ça se passe généralement, voilà, en Talibé. Ça a été le cas. Le voilà. Provisoire dur. Oui, voilà, pour Elaz, pour sa loi, ça a été le cas. Ouais. Il a été désigné le jour du décès de Elaz Saïkoué à Bari pour assurer l'intérim, mais après, ça s'est éternisé. Est-ce que c'est ce que l'abbé craint par rapport... justement à la désignation du représentant de Timbo, c'est la question à se poser. Bien. Oui. J'ai dit, le travaillement se fera, comme chez les coupés décalés. Mais le travaillement. Voilà, ce qu'on pouvait dire sur ce débat qui continue donc au sein de la Coordination nationale des Foulbé Alpoulard de Guinée et l'autre organisation, Tabita Poulakou Guinée, organisation voilà, qui, dont en fait, la fêtière à l'international conteste la désignation de Tchornoya Diallo. C'est un débat donc qui va se poursuivre et que nous allons suivre de très près. Nous marquons une seconde pause. La seconde grande pause d'Amirador pour nos obligations commerciales. Un nouveau point info avec la rédaction, avec Amadou Diallo, la grande voix, retrouvée tous les jours quand il est midi pour donc, nos infos à la mi-journée. Et on revient dans quelques minutes. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi, le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec des finitions parfaites, disponibles en 2 et 3 pièces, des couvre-matelas, des pyjamas, des caftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût.
La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison au bureau, Nordine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves et de vous assurer des tenues qui conviennent à tous. Adresse Madina Route Niger, en face du centre Madame Barry. Téléphone 621 94 56 66 et à Coloma Marché 628 54 64 46. Nourdine et Frères, le bon prix pour dormir et s'habiller. Welo welo aduna tingi tingi kino yiri salam lemone salam pom no kasahara ko salam mango ankali salam bunye non hey fiho nina salam jillado emi joni non ko hondu guranio hi ko no min kala ko ni ji salam no wala la mech salam julie gefi kala ko yidu donko salam souriez à la vie le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moi, non, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la bia. Ora ile salam le mun dalé du mayenge. Salam pom do. Ile fana. Salam ma korontalo. Neke ni salam ke bibitali do. Mun ne don tanya basa no taro. Ile koné. Koné ma kona boto pa. Iye mo ko boto. Abe, ju salam be du manye. Salam, girite ginye na ma. Dia sube do la deni menna. Salam, souriez à la vie. Avec Nulcana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Nulcana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Nulcana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. T'inquiète, c'est pas grave. Désolé, c'était les intérêts. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec définition parfaite, disponibles en deux et trois pièces, des couvre-matelas, des pyjamas, des caftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison au bureau, Nordine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves
et de vous assurer des tenues qui conviennent à tous. Adresse Madina Route Niger, en face du centre Madame Bari. Téléphone 621 94 56 66 et à Coloma Marché 628 54 64 46. Nourdine et Frères, le bon prix pour dormir et s'habiller. Welo welo aduna tingi tingi kino yidi salam lemone salam pom no kasahara ko salam mango ankadi salam bunye non hey fi hodu hina salam jillado eme joni non ko hodu buranio hi ko no min kala ko woni ji salam no wala la pet salam julie gefi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme? Non, salam mangue peut-être. Et salam ananas? Pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moi, nyan, hey, j'aime tout. Tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la bia. Ora ile salam le mun dalé du mayenge. Salam pomdo. Ile fana. Salam makoro taru. Neke ni salam gabi vitadi do. Mun ne don tanya basa no taru. Ile koné. Koné mako na boto pa. Iye mo ko boto. Abe, ju salam be du manye. Salam, girite ginyena ma. Dia sube do la de ni menna. Salam, souriez à la vie. En Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. Surf de l'actu. Bonjour à toutes et à tous. Liberté ou pas pour Dr Kassori Fofana, sauf changement de dernière minute, la Cour suprême se prononcera ce mardi. Kassori Fofana en prison depuis le 6 avril 2022 est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Son jugement s'est ouvert le 20 mars dernier, mais à son absence, l'ancien Premier ministre d'Alpha Condé est alité dans une clinique de Kaloum. Après deux audiences sans lui, son jugement a finalement été reporté. Les fidèles musulmans entament ce mardi nuit les 10 derniers jours du Ramadan, une période dans laquelle se situe la nuit du destin où Laylatul Qadri, interrogé par notre rédaction sur comment bénéficier de cette période, plusieurs islamologues ont indiqué que les fidèles doivent faire des sacrifices et multiplier l'adoration de Dieu, mais tout en ne dérangeant pas ceux qui ne sont pas concernés par cette prière. Sur le continent, le journaliste malien qui était porté disparu depuis jeudi dernier a été retrouvé sain et sauf à Bamako. C'est une annonce faite ce mardi matin par la cellule de crise mise en place par des confrères après sa disparition. Aliou Touré, directeur de publication du journal Le Démocrate, est rentré chez lui, mais les circonstances dans lesquelles notre confrère a été retrouvé n'ont pas été précisées par cette cellule qui compte animer une conférence de presse à Bamako vers 10h ce mardi. Pour finir, le président américain est attendu dans la soirée de ce mardi en Irlande du Nord. Joe Biden prendra part au 25e anniversaire de l'accord de paix qui a mis fin à trois décennies de violences, des violences qui ont enregistré plus de 3500 morts. Ce n'est pas tout. Demain mercredi, le chef de la Maison-Blanche va animer une conférence de presse sur les progrès formidables depuis la signature de l'accord de paix, a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américaine. C'était tout pour ce Surf de l'actu. Restez plutôt avec nous. Dans un court instant, c'est la suite de Mirador dans ce studio à notre maison de radio avec le juste Aboubacar Diallo. FIM FM.
Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. T'inquiète, c'est pas grave. Désolé, c'était les intérêts. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec des finitions parfaites, disponibles en deux et trois pièces, des couvres matelas, des pyjamas, des caftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison au bureau, Nourdine et Frère. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Encore ensemble pour une heure, dans un instant nous allons ouvrir le chapitre politique de cette émission. Alors qu'on approche la fin du mois saint de Ramadan, fenêtre de répit à ce qui s'est imposé tout naturellement et qui était censé être mise à profit pour amorcer une désescalade politique en Guinée en vue des discussions avec les coalitions politiques et les fêtières de la société civile qui boycottent jusqu'ici le cadre des dialogues interguinéens. La médiation menée par les chefs religieux du pays semble ronronner. Elle la choperait sous les préalables posés par les forces vives de Guinée, des préalables auxquels le CNRD et le gouvernement de transition tardent à donner une suite favorable. Une situation qui a le don de commencer à agacer dans les rangs des forces vives de Guinée, au sein desquelles des voix s'élèvent et se font menaçantes. C'est le cas de l'ex-parti au pouvoir, le RPJ Arc-en-Ciel, qui soupçonne le pouvoir militaire de n'avoir aucune volonté de lâcher du lest sous les 10 préalables. À l'allure des choses, un retrait des forces vives de la médiation portée par les religieux du pays est-il envisagé vers le retour des manifestations de rue après la période du Ramadan? Nous essayons donc de poser ce débat dans un court instant. Et cette affirmation du directeur général DDG Électricité de Guinée, il n'y a pas de délestage à Conakry, assuré hier l'Aïssékou Camara à l'occasion d'une conférence de presse. Pour lui, l'heure est plutôt à comment maîtriser les déperditions, les pertes enregistrées sur le réseau de distribution et comment donc étendre le réseau au niveau de toute la capitale Conakry et extension. Et c'est tout à fait l'exact contraire pour la deuxième ville du pays, Cancan, qui devra continuer de broyer du noir, du moins jusqu'à son interconnexion avec le réseau du Mali voisin. Seule solution viable sur la table, selon l'actuel directeur général DDG. On en parle d'ici la fin de cette émission. Avant de repartir pour donc nos sujets, on s'arrête de nouveau pour faire lecture de quelques réactions. On se rabat sur l'autre plateforme WhatsApp avec Faro Ansman pour commencer. Bonjour mon Inamovible et à toute l'équipe de notre miroir d'or. Bonjour à ma sous-préfecture Canceria. C'était un grand honneur pour la sous-préfecture de Canceria de voir son fils neveu exceller de manière remarquable avec ce rocambolesque projet d'extension aéroportuaire et surtout en y mettant du matériel aéronautique de dernière génération. Cette contribution indélébile à la construction de cet édifice patrimonial donne une satisfaction à Canceria. On est fiers de lui particulièrement et la Guinée est fière de lui également. Recevez mes vives félicitations au nom de mon Canceria natal, Faro Ansman depuis Lambagne, voilà, qui félicite le directeur
de la SOGIAG, Monsieur Namouri Camara, qui était notre invité hier. Allez, cet autre, c'est Moussa Oulé depuis Bamako. Bonjour à Boakar, bonjour à mon Banako national. Bonjour à toute l'équipe. Je suis simplement très déçu de Cabinet Camara. Sa sortie d'hier n'était ni le moment, ni le lieu. Écrit notre confrère Moussa Oulé. Allez, cet autre aussi qui s'exprime. Voilà, depuis Kaloum, Alpha Condé ferait mieux de se taire car il n'a jamais eu de la considération à l'égard de Madame Hadja Djenné Kaba. Alpha Condé a toujours opté pour la division des Guinéens. Ce vieux ne doit pas faire de la dépouille de son désormais épouse, voilà, peut-être sa désormais et défunte épouse. Un sujet à polémique, l'on se rappelle encore de l'affaire eau empoisonnée avant les élections présidentielles de 2010. Raison de plus que les militants de l'UFDG et leur président doivent faire beaucoup attention pour éviter le plan machiavélique de Alpha Condé. Une réaction en provenance de Kaloum. Allez, cet autre, c'est bien entendu le patron des auditeurs de FIM FM. C'est pour l'autorolissant. Bonjour à Boakar, le virtuose de l'animation en Guinée. Bonjour à mon Simimia Simiminia. Dans mon linsan natal, les bisbilles entre les communautés Alipoular et Tabital Poulakou sont souvent liées à des questions d'intérêt personnel. Ces conflits peuvent avoir des conséquences graves allant à la division sociale et politique. Il est important que les sages et les jeunes de ces communautés comprennent l'importance de la communication et de la collaboration pour résoudre ces conflits de manière pacifique et durable. En travaillant ensemble, ils peuvent créer des solutions qui respectent les besoins et les droits de chacun tout en préservant la paix et l'unité de leur communauté. Une pensée positive au colonel Mamadou Alpha Barry depuis sa cellule à la maison centrale. Écrit pour le Toro Lissant, Mohamed Bayo, fidèle auditeur. Bonjour à Boakar, bonjour à mon Koulibaly Dougou Banankoro. Je pense souvent à ces mots du doigt indien. La Guinée n'a jamais été heureux. Le Guinée n'a jamais été heureux plus tôt. Et c'est une réalité. Quand je pense que Orange Guinée nous fait subir au vu et au su de nos autorités, c'est vraiment dommage. Et écrit Mohamed Bayo. Allez, cet autre aussi qui est à l'écoute, c'est qui exactement? Blocada de Tourama qui dit ceci. Bonjour, le légionnaire des journalistes, M. Aboakar, et à toute l'équipe du jour. Le CNRD n'a rien fait pour la première dame, Hadja Djenné Kaba Condé. Il a tout simplement humilié cette dame. C'est Alpha Condé qui a pris tous les frais médicaux de son épouse. Cette manipulation des pushistes illégitimes ne passera pas. Le compte bancaire de Hadja Djenné Kaba Condé était gelé par le CNRD. Elle était poursuivie par le CNRD. Elle a été dépossédée de ses projets. Allez, on continue avec Ataoulaye Mobantiniel pour prendre le maximum. Bonjour Aboubakar le juste. Je ne sais pas à quelle prérogative qu'on servit à cette prétendue présidence coordination nationale dont la légitimité reste à questionner de suspendre une organisation supranationale et revient à l'État à travers le MATD de suspendre ou de dissoudre une telle organisation de ses activités, qu'ils arrêtent de ridiculiser le FUTA avant de prendre une décision qui se réfère au texte qui régisse l'organisation ou les lois en vigueur de l'État Ataoulaye Mobantiniel. Allez, cet autre aussi qui est à l'écoute, on essaye de prendre le maximum. Thierry le Madrilène, baldé de la plateforme des auditeurs de FIM FM Guinée. Bonjour à Boakar, la morphine de la presse guinéenne. Bonjour à tous et bonjour à mes parents de Koula Maoudé dans Diari Labé. Le président de la coordination Alipoular est juste là-bas pour une période transitoire. Donc, ne faisons pas problème là où il n'y en a pas. Certaines personnes veulent la division au sein de cette communauté pour des fins personnelles. Mais je vous assure, le FUTA ne sera jamais divisé. Nous avons des sages très, très, très respectueux et respectables. Donc, que chacun sache raison garder. Bonne journée à vous, les vigies de la démocratie. Allez, cet autre aussi qui s'exprime ce matin, c'est bien entendu Condé Adama de Sanaba depuis Moscou. Bonjour à mon dame Sakuro Natal. À vous entendre ce matin, j'ai l'impression que vous priorisez l'hommage national sur les droits religieux des maris sur le corps de sa femme. Aboakar, l'hommage que le CNRD veut forcer pour Hadja Djenné Kaba est complètement absurde et hypocrite, que le corps vienne à Conakry ou pas. On peut organiser des hommages s'ils ont la volonté, mais qu'ils respectent la décision du président Alpha Condé s'il ne veut pas créer un faux problème.
quand on parle d'hommage national d'aujourd'hui, parce qu'elle était la femme d'un président et qui était là également, mariée, sinon chaque jour, les femmes meurent et personne ne parle d'hommage. Et selon Kondé Adama de Sanaba, Djambouria aussi à l'écoute depuis le grand rond-point de Bambeto. Bonjour à Bakar, le commandant du régiment de la presse guinéenne. Bonjour à tous et bonjour à toute l'équipe, particulièrement à mon grand frère personnel, Ibrahima Sourili Konsouma, journaliste du peuple, journaliste patriote. Monsieur Diallo, j'ai dit bonjour à maman nationale, honorable députée Diallo Awa Binta Dalaba et mon district Djambouria. Kinya, bon début de semaine à vous. Merci. Tchorno, Djambouria qui nous envoie ce message. Allez, cet autre, l'homme de vérité. Bonjour à Boakar. Heureusement, Ibrahima Likon Souma et Tchorno Monenembo et Thibou sont des Guinéens. Sinon, être Guinéen n'a aucun sens pour moi. Écrit l'homme de vérité. Je ne sais pas, franchement, les gens se radicalisent en Guinée. Allez, cet autre, c'est Billy Keïta depuis l'Empire du Milieu. Bonjour Titi, bonjour Mirador. Comme disait professeur Alpha Condé, il cite « Celui qui n'est pas informé n'a pas droit à la parole. » Si la défunte Hadia Gené Kaba Condé était vivante aujourd'hui, elle allait témoigner depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours. C'est le colonel Doumbouya qui a pris les frais d'hospitalisation et d'autres besoins. Comme un dicton disait, il cite « La parole mange son auteur. » S'il ne peut pas la maîtriser. Certes, le prénom de l'époux n'a pas été mentionné dans le communiqué. Sinon, si cela ressort dans le communiqué, il a adressé ses condoléances à la famille Condé. Ça veut dire à son époux, l'erreur est humaine. Le colonel Mamadi Doumbouya poursuit son petit bonhomme de chemin à grande vitesse pour le plus grand bonheur des Guinéennes et des Guinéens. Avec l'enfant prodige de Kankan Nabaya, c'est la renaissance positive de la Guinée. Paix à l'âme de la bonne dame. Allez, quelques réactions encore avant de continuer. Voilà, Tiane d'Orange Money qui nous dit qu'il a écouté notre collègue Mamadou Ry. Il assure que son souci sera pris en compte. Allez, on continue avec d'autres réactions pour essayer de prendre le maximum. L'icône est tellement bon qu'il me fascine. Il faut le couronner, Yandi. Bref, je vais vous dire une chose sur le cas de l'âge Alseni. Les carottes sont cuites, les dissidents finiront par rejoindre le bateau. De plus, les 4 mois de la transition, c'est juste pour la forme. Il en fera plus, Inch'Allah. Vive l'âge Alseni, Barry. Vive la coordination à l'Ipoulard. Corboya Baldi, Abou Poutine Banco qui est également à l'écoute. J'essaie de prendre le maximum. La dame méritait mieux. J'ai été l'une des premières personnes à dire ce que vous venez de dire. Mais certains extrémistes pensent qu'ils aiment Alpha plus que tout le monde. Allez, mon cher Omo Aboubakar Bigop du côté du PADES qui s'exprime. Voilà, il est de la famille aussi. Bonjour cher Omo. Bonjour à toute l'équipe. En réalité, je ne voulais vraiment pas me prononcer sur cette situation pour le respect de la dépouille de l'ancienne première dame Feu Hadja Djenné Condé. Savez-vous qu'après plus de 72 heures du décès, Alpha Condé n'a pas encore pris son téléphone pour présenter ses condoléances ni à la famille de la première dame, ni aux 3 enfants de la dame. Toute cette polémique est créée à dessein par Alpha Condé pour saboter les funérailles de cette valeureuse dame. Digne dans l'âme, il faut préciser que le corps de la première dame appartient d'abord à ses enfants. Pour terminer une fois encore, je présente mes sincères condoléances à ses enfants, au peuple de Guinée, à sa maman. Dors éternellement en paix, Adja, écrit cet auditeur. Allez, Oumar Kourouma, voilà, quelques 3 dernières réactions avant de rendre. Oumar Kourouma qui s'exprime à Boakar, heureusement pour la Guinée et Mirador qu'il y a des journalistes guidés par le sens des responsabilités, de neutralité, de conviction et d'équilibre dans la manifestation de la vérité, contrairement à certains chroniqueurs animés par la rage vindicative contre la transition, maître dans l'art de la caricature de la vérité. Il s'agit d'une ex-mère de la nation. L'État lui rendra les derniers honneurs. Allez, ce message de Barry Alpha Mamadou UFDG depuis Madina, qui s'exprime fidèle au poste. Bonjour Aboubakar, le président de la saison Barakuda, le civilisé. Surtout respect à vous, monsieur Aboubakar, merci. Et bonjour à vos collègues journalistes, chroniqueurs, singulièrement monsieur Talibé Barry, le Montesquieu de l'émission Mirador. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, nous sommes plus dans une transition. Rien qu'à voir le ministre porte-parole du gouvernement qui s'attaque publiquement à son ex-patron sans être rappelé à l'ordre. Alors, quelle est la neutralité de cette junte injustice? S'agissant de la coordination à l'Ipoulard, je vous assure que tout va très bien car c'est l'âge Alseni Barry qui est le seul commandant à bord et il a le plein pouvoir de recevoir, de revoir son fonctionnement. Barry Mamadou Alpha, UFDG, depuis Madina. Allez, un dernier, c'est Sonoussi qui nous écrit, qui dit quoi exactement? Bonjour, doyen, un chef, c'est la morale.
et la conscience et non la possession des biens matériels ou en nature. Sinon, il devient capitaliste, donc impérialiste, qui va dominer les autres par ses biens. Écrit son aussi de Bailoubaya. Voilà, on apprend que le corps de Yadja Djané devrait quitter Paris jeudi. FIM FM. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Bah c'est quoi? On parle de cette médiation menée, portée par les religieux du pays. Il y a risque que ça capote, bah c'est quoi? Oui, puisque pour le moment, les préalables qui devraient être levés pour qu'on aille au dialogue proprement dit n'ont pas été pour le moment pris en compte, en tout cas du côté du gouvernement. Ouais. Vous savez, je vous le disais ici, que je reste quelqu'un de pessimiste quant à l'aboutissement, notamment de la démarche qui a été entreprise par les religieux, parce que du côté du gouvernement, on a l'impression bien qu'on ne veut pas du tout, en tout cas on ne fait aucune concession sur les préalables qui ont été mis sur la table par les forces vives. On a dit non, on est en train de procéder à la... On a traité de pessimiste. Oui, on m'a traité de pessimiste, que je ne crois à rien. Pour le moment, l'histoire est en train de me donner les raison. Je ne souhaite pas sincèrement... L'échec de cette médiation. Sincèrement, je ne souhaite pas la main sur le cœur. Je ne souhaite pas l'échec de cette médiation. Mais en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de bonne foi. Tu veux tout simplement réaliste. Non, il n'y a pas suffisamment de bonne foi... De bonne foi du côté du gouvernement. Dites-nous, les préalables qui ont été posés par les fortes villes, et les préalables qu'on peut régler aujourd'hui, c'est la levée, par exemple, du contrôle judiciaire, notamment pour les neufs. Et puis, les cas de Founi Kemenge aujourd'hui, ouais. En réalité, Ibrahim Sylla, on peut juger rapidement. On peut juger. Et peut-être arriver à un non-lieu pour les libérer, pour les sortir des prisons. Pendant ce temps, le Premier ministre tient un discours pour demander aux forces vives de rejoindre le cadre existant et qu'il y a certaines questions qu'il faut départir, des questions personnelles. On est pour le moment dans ça, il y a eu plusieurs rencontres. Ouais. Sincèrement, mais ça n'a pas l'air d'avancer. Oui, parce que... La dernière rencontre, c'était le lundi dernier, le 3 avril. Cela fait 9 jours aujourd'hui que le Premier ministre a sous la main les préalables qui l'ont été transmis, les préalables des forces vives qui l'ont été transmis par les religieux. Pour l'heure, aucune réponse venant ni du CNRD ni du gouvernement étranger. C'est pour cela que je demande sincèrement l'implication du président du CNRD. Parce qu'en réalité, les manifestations, quand elles vont commencer, moi je le souhaite. C'est lui qui décide à la raison. Oui, parce que moi je ne souhaite pas, sincèrement. Mais quand vous dites que vous demandez son implication, bien entendu qu'il est impliqué, Bassekou. Oui, parce qu'il a fallu son onction. Non, attendez, Bassekou. Il a fallu son onction pour que le Premier ministre quitte son bureau pour venir à la rencontre des forces vives, pour venir écouter. C'est lui d'ailleurs, le Premier ministre, qui a demandé aux religieux de s'impliquer. Vous pensez qu'il le fait comme ça à tue-tête sans la bénédiction du palais Mohamed V? Dites-nous concrètement, qu'est-ce que le palais, qu'est-ce que le CNRD a fait, le gouvernement a fait face aux préalables qui ont été posés par les forces vives guinéennes? Mais rien du tout. C'est de ça il s'agit. Nous avons aujourd'hui quelques jours encore pour essayer au moins de satisfaire un minimum de préalables avant d'aller à ce dialogue-là. Parce que la conséquence directe, c'est que nous allons rester... Qu'après le ramadan, ça risque de chauffer. Mais absolument. Mais au-delà de ça, Boubacar, les religieux ont entrepris une démarche aujourd'hui qui a des démarches qui ont permis de désamorcer les manifestations qui étaient annoncées. C'est que cela allait aboutir, parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne ici. Quand on annonce des manifestations qui sont interdites, eh bien le gouvernement sort le dispositif de sécurité assez renforcé sur l'axe et puis sur les axes où il y a la contestation. On ne sait pas du tout cela aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais en réalité, on est en train de mettre les religieux aujourd'hui dans une mauvaise posture. Ouais. Ils se sont impliqués jusqu'au bout. Je pense que le Premier ministre devrait œuvrer avec certains acteurs de la société civile à faire avancer les discussions pour qu'il y ait un minimum de préalables soit levé et qu'on puisse aller à ce dialogue-là. Je ne souhaite vraiment pas du tout qu'on revienne à la case de départ parce que suffisamment de efforts ont été consentis par les religieux. Il y a cet article de Mosaïque Guinée que nous lisions hier.
et dans lequel on apprend donc, et selon une source consultée par la rédaction de Mosaïque Guinée, que à partir du 15 avril, à partir du samedi, si rien n'est fait, les forces vives de Guinée pourraient annoncer leur retrait, pourraient annoncer tout simplement leur retrait des négociations. Et cette médiation portée par les religieux. Et on ne le souhaite pas. Il y a un risque, Mamadou Dia. Oui, et ça sera à partir de cet instant-là un puissant saut vers l'inconnu. Ouais. Parce qu'on ne sait pas vers quoi nous allons y aller. Parce que jusque-là, j'aime le rappeler, c'est que le seul acquis qu'on a eu, c'est le report des manifestations de la part des forces vives. De l'autre côté, de la part du gouvernement, des autorités guinéennes, aucune ligne n'a bougé. Ouais. On a parlé des préalables urgents, on a nommé des personnes, 6 personnes, mais après, ça n'a rien donné jusque-là, pour l'instant. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le pouvoir se rende compte que les clés de la crise, c'est à leur niveau. C'est à leur niveau qu'il faut décanter la situation. Il faut prendre des initiatives. C'est là-bas qu'il faut prendre des initiatives et il faut le faire maintenant parce que nous sommes... Ce qui ne semble pas être pour le moment l'option envisagée au sein du gouvernement, parce que Bassekou le rappelait, le Premier ministre a demandé récemment lors des discussions que les forces vives rejoignent tout simplement le cadre de dialogue créé par décret du président de la transition, le porte-parole du gouvernement qui dit que lorsqu'on veut dialoguer, on ne pose pas de préalables. Voilà. Quand on met tout ça bout à bout, on a l'impression que du côté du gouvernement de transition, on ne veut pas du tout donner une suite quelconque, en tout cas favorable à ces préalables. Oui, je pense qu'ils sont aujourd'hui dans une sorte de mur, ils ne veulent pas bouger. Je pense qu'il faut sortir de ça. Au nom de l'intérêt général, au nom de l'intérêt de la Guinée et pour la stabilité du pays, je pense qu'il faut quand même faire preuve de concession également de la part du régime. Et c'est le moment de le faire parce qu'on l'a signalé que nous sortons bientôt du mois de Ramadan. Ouais. Et si nous reprenons les sempiternelles manifestations dans notre pays avec tous les cortèges des malheurs qu'on connaît, ça serait vraiment regrettable. Aboubacar, je voudrais souligner, c'est que le CNRD, à mon avis, aujourd'hui se trompe des priorités. Mmh. On met beaucoup plus l'accent sur les routes, sur les infrastructures. Ouais. Tout ça, c'est bien beau, c'est important. Mais je pense que les vraies questions d'une transition, ce sont les activités menant au retour à leur construction. C'est ça l'essentiel. Moi, je pourrais bien pardonner au CNRD ou au gouvernement transitoire de n'avoir pas refait une route ou construit une route, mais je ne pardonnerai pas au CNRD ou au gouvernement d'avoir organisé très mal les prochaines élections. Bien. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait orienter les priorités. C'est la mission essentielle. Mais j'ai comme l'impression qu'on est en train de perdre de vue cela et c'est dommage. Peut-être que il faut rectifier l'outil. Il faut recentrer la transition. Absolument. Bien. Mamadou Ouri, sur ces négociations, cette médiation qui patine. Ça patine parce que tu as le porte-parole du gouvernement qui va s'en prendre aux gens qui ont décidé quand même de répondre à leur appel, de venir rencontrer le PM alors qu'auparavant il ne voulait pas le rencontrer. Pendant qu'on s'attend à ce qu'il y ait de la souplesse dans toutes les positions, si le porte-parole du gouvernement fait dans le vat en guerre, du genre oui, nous sommes des garçons, Moi, je pense que il devrait vraiment épargner le gouvernement de ses sorties parce qu'il n'apporte absolument rien dans le sens de l'apaisement en fait. Et chaque fois qu'il fait une sortie, ça vient remettre de l'huile sur le feu. Sincèrement, il doit apprendre à se taire. Que ceux qui veulent faire, c'est important. Que ceux qui sont dans le gouvernement de la transition, qui n'est candidat à rien et ne sera candidat face à personne, attendent le moment où ils deviendront des politiciens pour faire de la politique. Ouais. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique en étant dans ce type de gouvernement. Alors, il faut sortir du gouvernement. Je suis d'accord. Vous venez créer votre parti politique. Ouais. Vous venez vous boxer avec les gens sur la scène politique. Sinon, vous faites votre travail au gouvernement. C'est quand même décevant à un moment donné. Ouais. Voyez-vous, les gens sont en train de fournir des efforts. Ces religieux-là, sous le soleil, un peu partout, se forcent à réunir les gens. Et cette fois-ci, ils ne veulent pas qu'on les ridiculise. Ouais. Pour une fois, ils veulent que cette fois-ci soit la vraie, pour qu'on dise que les religions ont réussi à réussir quelque chose pour leur pays. Mais quand ces efforts sont en train d'être fournis, vous venez sur les médias et vous voulez tout mettre à l'eau, moi ça me déçoit. Ouais. Ça me déçoit, Aboubacar. Je suis d'accord. Et je pense tout de même que les gens ont un peu de chance. Ouais. Et malgré qu'il y a des radicaux dans les rangs,
du CNRD, au moment où nous parlons de tout ça, certainement qu'ils sont en train de tirer sur la corde. Ouais. Je me dis que c'est ce qui retarde certainement les choses, parce que certains autour de Mamadi, il y a des colombes autour de Mamadi, ne veulent pas justement qu'il y ait ces, comme Bassekou l'a dit, ces confrontations. Non, je veux dire qu'on lève ces contrôles judiciaires, ouais, qu'on libère les Founi Kimengue, tous ces actes là, bien sûr, de détente qui doivent être posés. Il y a certains qui ne veulent pas du tout. Ouais. Maintenant, est-ce que Mamadi doit les écouter ou est-ce qu'il doit écouter son bon sens? Il doit écouter l'humilité qui doit incarner aussi la chefferie, parce que la chefferie ce n'est pas que le bâton, mais c'est aussi de l'humilité. Donc accepter tout, certains de ces préalables, pas seulement tout, mais certains de ces préalables ne veut pas dire que le pouvoir se rabaisse, ne veut pas dire que le pouvoir recule, mais tout simplement c'est une prise de hauteur. Bien. Je pense que c'est ce qui reste. La dernière fois, le religieux disait que les préalables sont posés et que la prochaine fois qu'ils se retrouveront, ils iront dans les détails. Dans les détails. Sauf que depuis là, il n'y a pas depuis encore là, y a plus de rendez-vous. Ouais. Bon, je pense qu'on a quoi, 10, 11 jours avant la fin du Ramadan. Il faut que le président fasse tout possible pour se mettre au-dessus de tout ça. De la mêlée. De la mêlée. Ouais. Qu'il prenne les véritables décisions, une fois encore, les derniers coups de pouce, pour que les gens aillent sur les vrais sujets. Bien. À ce stade-là, moi, je pense qu'on ne peut plus dire que les gens refusent de venir. Dès lors qu'ils sont là, le Premier ministre est là. Ça veut dire qu'ils sont là en train de discuter. Ouais. Auparavant, il n'y avait pas cette possibilité. Vous n'avez plus à dire que les gens doivent venir sans préalable. Ils sont déjà là, en train de parler. Bien. Donc, c'est inutile. Merci, Mamadouri. Allez-y, Talibé, pour continuer. Oui, je commence par ce texte publié, en tout cas, dont on a reçu copie. Du RPG lors de l'Assemblée Générale samedi dernier. Ouais, on allait oublier cet éditorial. Et curieusement appelé éditorial. L'éditorial lu à la tribune de l'Assemblée Générale. Éditorial sur le texte socio- hebdomadaire du samedi. Éditorial sur le contexte sociopolitique de la Guinée. Bien. Et ce qui est intéressant, ouais, c'est que le RPG dit à propos des préalables. Des préalables. Ouais. Nous avons posé les critères. Voilà. Voilà. Très bien. Donc nous avons posé les critères d'un pré-dialogue. Les critères sont les suivants: l'arrêt des poursuites contre les acteurs sociaux et politiques et le retour au pays de ceux en exil. Ouais. Ensuite, ils disent, le RPG, la libération sans condition des leaders politiques arrêtés pour des chefs d'accusation non prouvés. Ouais. Ainsi que des acteurs sociaux. Donc quand on parle de chefs d'accusation non prouvés, les leaders politiques notamment, il s'agit sans doute des responsables du RPG. Qui sont pas voilà, devant la CRIF. Les Kassori et Damaro. Et Damaro. Mohamed Diané, Ibrahima Kourouma, etc. Ouais. Ça laisse penser que dans les... parce que ce sont six entités qui sont réunies au sein des forces vives. Bien. Que chacun a ses préoccupations. Il y a des préoccupations communes, mais il y a des divergences ou des nuances par rapport à certaines situations, c'est-à-dire en ce qui concerne la libération. Et aujourd'hui qu'il y a des procès en cours de Kassori et compagnie, tout ce qui est demandé, je crois, à travers cette libération sans condition, le RPG parle d'une libération conditionnelle au moins. Ouais. Et après, leurs procès vont se poursuivre, les différents procès de Kassori et autres. Et après, le RPG demande la levée de l'interdiction de manifester. Oui. Et le RPG pointe l'entêtement du gouvernement de ne pas accéder à ses préalables dans les négociations que mènent les religieux. Ouais. Donc pour le l'entêtement du pouvoir à ne pas accéder à ses préalables. Bien. Donc le RPG déjà est convaincu, accuse le gouvernement d'entêtement à ne pas accéder. Ouais. Ça veut dire que est-ce que ça veut dire que le RPG désespère totalement de la suite de la médiation des religieux? Ça laisse penser que le RPG n'y croit pas, ouais, le RPG ou n'y croit plus, n'espère plus, en tout cas, gagner quoi que ce soit de cette médiation. Ouais. Alors que on est Et plus loin, le RPG menace, hein, menace de ce qu'il parle de réaction, voilà, qui se prépare. Oui, qui se prépare. Ils disent que désormais, voilà, c'est la formulation qu'ils ont eue, face à tout ce qu'ils appellent injustice, ouais, nous sommes maintenant dans une logique d'organisation de la réaction face à cette injustice qui dépasse les bornes, car
la patience a des limites. A des limites. Donc c'est très clair, le RPG est dans une logique d'organisation de la réaction face à l'injustice. Oui, mais le RPG, vous le savez, la manifestation du 9, le report de cette manifestation n'était pas du goût, notamment d'Alpha Condé. Oui. Et celle du 15 également, à plus forte raison. Celle du 20. Ouais. Ça veut dire que le RPG est déjà sur le qui-vive, en ordre de bataille. Voilà, mais ce sont ses alliés au sein des forces vives qui ont fait fléchir leur position. Ouais. Donc aujourd'hui, tout ça, prenez ça comme étant des alertes pour que vraiment vous puissiez céder ce qui peut l'être maintenant à Boakar. Sur tous les préalables, il faut faire quelque chose. Sur tous les préalables, là, on peut bien lâcher sur certains points, au moins obtenir la libération conditionnelle de tous ces messieurs qui souffrent en prison. Ça, ce serait quelque chose de très apaisant, mais malheureusement, pour le moment, en tout cas, on préfère regarder la montre tourner. Bien. La montre tourner. Bien. Et le 15, voilà, cette date qui commence à circuler du côté des forces vives de Guinée-Licon. Si les lignes ne bougent pas d'ici le 15, donc d'ici la fin de cette semaine, voilà, j'ai eu quelques confidences ce matin, comme quoi, dès la semaine prochaine, les forces vives de Guinée pourraient faire une annonce de retrait. De leur retrait des négociations. Les forces vives ont fait preuve de bonne foi, tout le monde le sait. Et de patience. Et à plusieurs reprises, ils ont reporté ces manifestations pendant que la cité était vraiment chaude. Ouais. Ce qui n'était même pas du goût de l'ancien président qui voulait aller au charbon avec les nouvelles autorités. Mais ce que le colonel doit comprendre, il faut cesser de faire de la fermeté aveugle. Ouais. Cette fermeté ne sert plus à rien. Moi, quand j'entends parler des gens qui demandent à dépersonnaliser les dossiers judiciaires et de ne pas appliquer les procédures illégales à la légalité, mais qu'est-ce qui est légal dans tout ce que nous faisons? On prend par exemple un préalable consistant à la libération des acteurs sociopolitiques. Ils sont en prison il y a plus d'un an, sans aucun titre. Ouais. Ça, c'est légal? Ce n'est plus légal. Là, on sort de la légalité. Quand on demande leur liberté, les gens vont dire non, il faut les juger. Mais vous voulez appliquer la légalité sous l'illégalité. Ouais. Ce qui n'est pas du tout normal. Ouais. Prenez même le cas des anciens ministres aujourd'hui qui sont en prison. Mais ils ont des rapports médicaux qui indiquent ou qui confirment leur maladie. Pour la plupart, leur délai de détention provisoire a expiré. Mais ça a expiré. Est totalement dépassé. Oui, et pire que ça, ils sont malades. On refuse qu'ils aillent se soigner. On les garde. On ne veut pas les mettre sous contrôle judiciaire. On veut les voir juste mourir pour après demander les salam alaikum. Ouais. Est-ce que cela, c'est la légalité? Mais alors, plus loin, quand on prend le cas, par exemple, de Loulou. Mais d'ailleurs, Lincoln, si on essaie un peu de faire référence au cas Kassouri et compagnie, qui sont aujourd'hui devant la CRIEF, ils y sont parce qu'ils sont accusés de corruption, de détournement des données publiques. Si aujourd'hui, on essaie de regarder la gestion qui est celle de la gouvernance du CNRD, parce que on peut dire que le colonel Mamadi Doumbia, il n'a pas toute la situation, ou bien peut-être qu'il a la situation, il attend au bon moment pour frapper tout le monde au même bateau, parce que c'est le dérapage à tous les niveaux. Vous savez comment ça fonctionne au niveau des EPA, au niveau des ministères, au niveau des institutions. Mais les gens sont en train de s'enrichir, rien qu'à regarder le train de vie des nouveaux maîtres du pays. C'est extraordinaire. Ceux qui étaient là, c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a un an, ceux qui étaient à vélo, à moto, sont devenus des propriétaires d'avions entre griffes. Eh bien voilà. Pourquoi il y a les colombes au palais? Pourquoi il y a les faucons? Parce que si on veut être sérieux aujourd'hui sur la question de la gestion d'une gestion vertueuse, je pense que si on essaie de creuser aujourd'hui, beaucoup se retrouveront devant la CRIEF. Mais Abaka, pourquoi il y a les faucons au palais? Il y a les faucons parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'avantages. On est en train... Il faut s'intéresser au chantier de rénovation de certains départements ministériels. Tout n'est pas clair dans cette affaire. C'est tout ça, Boaka, mais c'est important. C'est une goutte d'eau dans l'océan de détournement. Le marché de gré à gré continue. Moi, je dis que les faucons existent parce que ils ont beaucoup à empocher aujourd'hui. Mais ils n'ont pas fini les chantiers, ils sont en train d'acheter des villas un peu partout. Ils sont en train d'ouvrir des grands chantiers, des constructions, les terrains achetés à Conakry. Pour eux, mais c'est la course à l'enrichissement. Je t'assure, Lincoln. La transition doit continuer. Non, mais c'est la course, une course effrénée. Mais bien sûr, tant que ça continue, ils vont continuer à remplir pratiquement leur poste. Sincèrement, personnellement, Lincoln, ce n'est pas du tout à cela, à un tel visage de la gouvernance CNRD que je m'attendais. Sincèrement. Mais c'est je m'attendais à une gouvernance, faite d'austérité, d'humilité,
je sais pas, de peu de choses, mais l'essentiel réservé à la cause de la nation. Mais qu'on ne voie pas des cadres qui affichent un train de vie insolent, qui nargue la sainte canaille, comme on a l'habitude de dire ici. Ouais. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. Abakar, parce qu'on a l'impression que le monde n'a pas changé en Guinée. C'est très grave. Il y a peu de changements. Peut-être les chantiers. Les changements consistent peut-être aujourd'hui dans l'accélération des chantiers qui avaient retardé. Des réalisations des infrastructures. Mais ça n'a pas trop changé, Abakar. Aujourd'hui, prenez le cas de Sidia, par exemple. L'autre fois, vous savez, quand vous retirez la maison de quelqu'un ou démolez la maison de quelqu'un, ça la justice. Mais est-ce que cela, c'est la légalité également? Mais le cas de Air Guinée, moi, je me suis amusé à prendre note par rapport au comité de privatisation de Air Guinée, où on parle, par exemple, d'un actif social de plus d'un milliard de francs guinéens payé à l'époque par Futurelec. Mais les dettes commerciales se sont élevées à 13 milliards. Si une telle compagnie est liquidée et qu'après celui qui a acheté est en Guinée, justifie l'achat, les paiements et autres. Après, on poursuit un leader politique qui était simple ministre. Où vous voulez appliquer la légalité. Ouais. Mais Alpha était très méchant, la vérité est bonne à dire. Mais malgré tout ce qu'il a recherché autour de ses loups, autour de l'affaire Air Guinée, à leur domicile, Air Guinée, mais il n'avait rien trouvé. Il n'a rien trouvé et il n'a pas agi. Sinon, il n'y a pas eu de politique d'animosité entre un leader en Guinée, c'est-à-dire comparable à ce qui a existé entre Alpha et Sidia. Alpha et Sidia. Ouais. Mais heureusement, au palais autour d'Alpha, les gens ont dû dire au président, mais ça là, tu ne peux pas agir. Et il a laissé. Mais il n'y a rien. Mais aujourd'hui, vous envoyez les gens là à l'exil. On veut leur retour. Et vous dites non, ils ne vont pas retourner parce qu'ils ont des problèmes personnels en justice. Quel problème personnel? Bien. Monsieur dommage. Le colonel. Dommage. Au passage, rappeler que c'est aujourd'hui, en principe, que la Cour suprême doit se prononcer sur le pourvoi en cassation de Ali Touré contre la décision de confirmation de la mise en liberté provisoire, laquelle décision avait été prise par la chambre de contrôle de l'instruction du côté de la CRIEF. Bien. Donc est-ce que est-ce que la Cour suprême va siéger et se prononcer? Ouais. C'est la question à se poser. Mais on est dans, toujours est-il que on est dans le schéma de l'éternel report. Il était initialement prévu que voilà, Kassori, la prochaine audience dans le cadre de son procès se tient le 17. Donc est-ce que aujourd'hui encore la Cour suprême va se débiner? Le 17 c'est jeudi, hein. Voilà. Ou la semaine prochaine. Lundi, je crois. Lundi. Est-ce que la Cour suprême va se débiner à nouveau? C'est la question à se poser. Bien dit. Est-ce qu'elle va se débiner à nouveau? Mamadou Diang, pour clore. Des médiations est en train de yoyoter et à cette allure, la panne sèche n'est pas loin déjà de cette médiation qui se mène à marche forcée. Donc, ce qui fait que les forces vives ont commencé, comment dirais-je, à brandir le chiffon rouge menaçant de se retirer. Ouais. Parce que du côté du CNRD, et ils sont sur leur ligne qui consiste à dire que il faut sortir de la subjectivité. Il faut que les questions de personne ne viennent pas empiéter, et, comment dirais-je, l'intérêt général, à tort ou à raison. Maintenant, pour qu'il y ait médiation, les efforts des prélats et des mollahs qui demandent à ce que chaque camp fasse des concessions, et l'opinion, la majeure partie en tout cas, aurait souhaité que la junte puisse lâcher du lest pour satisfaire au préalable posé par les forces vives. Les forces vives. On n'en est pas là et on revient à ces pokers menteurs que j'ai toujours décrit dès au départ à Aboubakar. Par rapport maintenant à votre déception, il faut dessiller les yeux. Les révolutions ont toujours mené à la déception. 1789 en France, ça a profité à qui? À Napoléon qui est venu reprendre les choses en main. Du côté de la Russie en 1917, ils ont tué, le tsar et finalement le tsar Nicolas II. Finalement, vous avez vu cette dictature et il y a même eu Trotsky qui a écrit La Révolution trahie. C'est toujours comme ça. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui a dit que dans le terme même révolution, c'est quoi? Tu pars d'un point A, la terre tourne sur elle-même, c'est une révolution. Donc, bien sûr. Vous pensez que vous changez, mais vous revenez à la même chose. Bien.
pendant ce temps, du côté du CNT, il se passe des choses. Le président du CNT, on apprend qu'il est aux États-Unis où il assiste à un forum qui réunit des parlementaires. C'est ce qu'on apprend de lui. C'est ce qui se passe au CNT. Bien. Oui. Bien. C'est tout ce que je sais. Icône. C'est tout ce que je sais. Icône. On cherche. On t'a bien. Branché. On cherche. Voilà. C'est tout ce que je sais. Allez, la suite, Babé. La suite. Finesse. Mirador, la plus grande. La plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Sacré Ibrahim Babel Diallo. Allez, quelques réactions en une minute avant de continuer. On parle là de quelques sujets en préparation, de quelques sujets d'enquête en préparation dans un instant avec nos chroniqueurs. Mais avant, on essaiera donc de confronter cette affirmation de Lai Sekou Camara, DG, à l'analyse de nos chroniqueurs. Quand il affirme qu'il n'y a pas de délestage à Conakry, Dao Chemo Yaya. Bonjour Titi, bonjour à la team du jour. Cette zizanie à la tête de la coordination Foulbé et Ali Poulard est vraiment décevante. Défendre le non-respect des textes ressemble à se tirer une balle sur soi-même en démocratie. Aloumo ABD Tata, bonjour Mirador et bonjour à mon Lei Yali Natal. Je vous suis depuis Dakar, Sénégal. L'écoute est favorable. Je salue tous les chroniqueurs de cette grande émission. Félicitations à vous car vous êtes les meilleurs. Quelle est l'importance de l'exigence de ces différentes, l'existence de ces différentes coordinations? Alou Sentoulel, Fim Guiné, bonjour les Mirador, bonjour à ce voyant journaliste Aboubacar, bonjour en particulier à ma Télimélé Natal, la coordination nationale. Ali Poulard et Foulbé Ali Poulard, ceux qui veulent créer le désordre doivent être rappelés à l'ordre, c'est selon Aloussène Toulal. Païkoun Kinya Diallo, bonjour l'infatigable Aboubacar à toute l'équipe du jour. Païkoun Kinya Diallo depuis Bambeto du parti l'Alliance pour le Renouveau et le Progrès, ARP, la coordination Foulbé Ali Poulard doit montrer l'exemple du respect des textes qui ont été rédigés par les sages. Bachérif, pour continuer, bonjour monsieur Aboubacar, nous regrettons de voir cette situation entre les filles du Fouta, mais là la question qu'il faut se poser est que Kiorno Yaya n'a pas exploité la vulnérabilité de feu Elhadj Ousmane, mais également de son soi-disant influence pour avoir occupé des postes et être en possession de la double nationalité pour discriminer les autres candidats. Je crois que suite à la lettre de Tabital Poulakou International, la suspension doit être en vigueur. Mohamed Al Sila, bonjour le juste et bonjour à votre équipe de guerriers. Titi, colonel Mamadi Doumbia a raté une grande occasion de réunir les Guinéens. Aujourd'hui, son régime est venu créer sa fenêtre de victimes de haine. Al-Gassim Diallo, qui s'exprime aussi. Bonjour, monsieur Diallo, l'icône de la presse guinéenne et à l'ensemble des professeurs de l'université FIM. Et bonjour à tous mes parents de Koula Maoudé, sans oublier ceux de Massi d'Ampita et de mon Kania natal. Monsieur Diallo, pendant ce mois béni de Ramadan, le Tout-Puissant Allah vient d'interpeller la conscience des Guinéens par les décès des deux figures de proue de la vie publique guinéenne, notamment Elhadj Ousmane Fatako et Adja Djene Kabakonde. Allez, l'avant-dernier, c'est Sirajo Sunki Diallo du club Donkin pour l'émergence de Broual Sunki. Bonjour Mirador, bonjour à Broual Sunki. La mort n'est pas un accessoire. C'est la raison de notre existence. Les premières secondes de notre mort, nous perdons notre identité. Nous sommes plus appelés par notre nom ou notre prénom, mais par un banal mot commun fourré. Voilà, que Dieu pardonne, nous pardonne. Allez, enfin, Diallo Degemakolé.
Bonjour à Boakar, le Poutine de la presse guinéenne. Bonjour à Maître Alassane Ba depuis Anta à Tomboulia. Et bonjour à la reine de la Maison Orange, Madame So Arisatou, et Madame Arisatou So plutôt. Sans oublier la maman Kadiatou Dalin Ba, l'épouse du président Selou Dalin. À Boakar, permettez-moi de rappeler au ministre de l'Énergie, depuis plus d'un mois, comme ça, nous assistons à des coupures de courant électrique dans plusieurs zones de la capitale, mais particulièrement dans mon secteur Beretea, avec une facture élevée qu'EDG nous envoie à chaque fin de mois et nous déplorons leur attitude. Allez, pour clore, on n'a que 3 minutes. Juste un mot sur ces délestages, Ibrahima Sow, les consommants. Le DG de DDG affirme qu'il n'y a pas de délestage à Conakry. Oui, d'ailleurs, avocat, moi j'ai retenu un passage. Vous êtes d'accord avec lui? Bon, pas d'accord parce que moi je ne connais pas maintenant c'est quoi la différence. Non, mais le délestage, parce que je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on qualifie de délestage, mm-hmm. C'est lorsque c'est du tour-tour. Et je pense que cela a cessé à Conakry. C'est quoi le délestage? Aboubakar, il n'y a pas de courant à Conakry. C'est quoi le délestage? Mais on n'a pas de courant parce que Aboubakar, attendez s'il vous plaît, ce sont des contre-vérités. C'est quoi le délestage? Il nous dit que depuis le complexe Swapiti Kalea a été créé, qui donne une capacité de 690 MW, et qu'en réalité, Conakry ne connaît plus de coupure intempestive du courant. Sauf que ce n'est pas la réalité, ça ne colle pas à la réalité sur le terrain. Plusieurs quartiers aujourd'hui de Conakry sont plongés dans le noir. Faites un sondage dans les quartiers de Conakry, vous rendez compte qu'il y a des localités qui manquent de courant, des quartiers qui manquent de courant de 20h à 6h du matin. Bah c'est s'il dit, quel quartier? Quel quartier? Mais chez moi, Nongowa, Lambagni, mais demandez un peu partout à Conakry. C'est pas vrai, à Lambagni. Mais si. Non, mais nous, on ne reçoit pas le courant partout. Il y a une puissance disponible. Il y a toute la puissance disponible. Mais non, ça ne vient pas du tout. Il y a des déperditions, justement. C'est qu'il doit complètement revoir. Bien sûr, il a dit. Mais non, c'est ça la vérité. Mais c'est qu'il n'y a pas de courant à Conakry. C'est ça la vérité. Alpha Condé nous avait laissé quand même un héritage. Il y avait du courant électrique. Merci. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Bien, non, mais il est toujours négatif. Oui, c'est ça. Ce sont des contre-vérités. Allez-y. C'est vrai que le courant part par endroit. Hier, par exemple. Mais il n'y a pas de délestage, monsieur. De 18h à 1h du matin, il n'y avait pas de courant. C'est récurrent, c'est vrai. Mais il n'y a pas tour-tour. Voilà. Le quartier a le courant. Vous n'êtes pas dans un cas de figure où aujourd'hui vous recevez le courant, demain vous n'en recevez pas, monsieur. Non, ça c'est ce qu'on appelle le délestage. Voilà, ça c'est terminé, ça voilà. Il n'y en a pas. Est-ce que je peux dire mieux en français facile? Mais je pense que tu as compris. Il y a des va-et-vient du courant électrique un peu partout à Conakry. Voilà, c'est ça. Notamment à Lambagni, ça on est complètement d'accord avec lui. Voilà. Deuxièmement, je pense qu'il faut le ramener sur terre, Bassico. Deuxièmement, il y a un passage de la conférence qui m'a marqué hier, c'était par rapport au bateau turc. Ouais. Mais quand j'apprends que la facture c'était 4 millions de dollars par mois, qui, ouais. C'est-à-dire ouais. Que la Guinée payait. Mais j'ai pris la tête parce que. Et tu sais, c'est combien là, en termes de consommation de carburant EDG par semaine? C'est 18 milliards. Donc. 18 milliards. Bien. Allez. En fait, il y a un état des lieux qui a été dressé par le conseil d'administration de EDG. Demain, on va revenir sur ce dossier parce que les relations entre le conseil d'administration et la direction générale de EDG sont très tendues. Doucement. Les prérogatives, je crois bien qu'il y a de sérieux problèmes. Je détiens le rapport. Je détiens et demain, aussi. Je crois qu'on va revenir sur ce dossier. Bien, Bassico, voilà. On détient aussi ce courrier au vitriol du PCA d'EDG adressé à l'actuel DG. Pour en terminer définitivement, Mamadou Ouri, demain, cette enquête sur la Lonagui. Sinon, j'avais voulu parce qu'on a une minute pour clôturer. J'avais voulu donner la définition claire du délestage. Allez-y. Je vous le permets. Non, il est clairement dit ici que le délestage électrique, c'est faire en sorte qu'un secteur précis ne soit plus pourvu en électricité et en énergie pendant une période donnée. Maintenant, il y a les différents types de délestage. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Ça s'explique. Et hier, je l'ai entendu dire que c'est souvent fait exprès parce que ceux qui sont en train de travailler sur le réseau le demandent souvent. Maintenant, on peut revenir en détail là-dessus. Bien. Ouais. Effectivement, vous avez parlé d'enquête. Nous serons sur effectivement ce dossier. Ouais. À partir de demain, de la Lonagui, depuis un bon bout de temps, comment est-ce que l'entité fonctionne en termes de gestion. Quelle est la gestion des recettes, les recettes déclarées et non déclarées. Est-ce que les normes qu'on a demandé d'observer au sein de l'entité sont telles observées, mais aussi la question de la régulation, la pertinence de la régulation, sur pourquoi la régulation a été mise en place, on parlera bien entendu de tout ça. Bien entendu, Talibé, oui, forcément, un mot sur cette enquête à venir, à partir de demain.
Oui, à partir de demain, parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Ouais. Aujourd'hui, tous les experts sont unanimes. Se concentrer sur l'essentiel. Oui, il fallait, tous les experts sont unanimes qu'il fallait séparer la régulation de l'opération. C'est-à-dire que la LONAGI qui cumulait le statut d'opérateur et de régulateur, c'était inconvenable. Aujourd'hui, qu'il y a eu cette séparation et qu'une autorité de régulation existe, il faut justement veiller à ce que rapidement cette autorité soit fonctionnelle et qu'elle joue le rôle d'arbitrage qui lui est dévolu bien dans le cadre du fonctionnement du monde des jeux en Guinée. Bien. Quelle est donc la réalité de la gestion au sein de la LONAGI depuis plusieurs mois, depuis que le CNRD est au pouvoir? C'est la question, la grosse question à laquelle nos chroniqueurs vont tenter de répondre demain dans un dossier d'enquête qui sera ouvert à cet effet. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à Ibrahim Babendialo, Ibrahim Assila. Ils étaient à la technique côté radio et côté live streaming. Nos pensées à Cabinet Fofana Doké, à quelques bobos de santé. Nos pensées également, voilà, à nos équipes qui sont à la formation, Manu et Diaray Girassi, l'impératrice Diaranké. On se retrouve demain pour continuer l'aventure. Derrière nous, Guy Tindiré avec Mohamed Ba et toute son équipe. Les programmes continuent sur FIM. Au revoir. FIM FM. Vous avez suivi FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ri Diallo, Akumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Yambaldé.